D'abord, bonjour à tous, bienvenue à tous, en particulier à ceux qui nous sont venus de loin. Hein, je remercie Elisabeth d'être parmi nous. Et je commence, puisque je cite son nom, je vais commencer par vous expliquer ce qui s'est passé un petit peu pour ce projet. Initialement, il s'agissait, au lendemain de la Révolution, d'une prise de conscience du caractère peu pérenne des documents qui ont couvert la Révolution tunisienne, en particulier les 29 jours de Révolution. Ces 29 jours pendant lesquels il y a eu des affrontements sanglants, parfois, entre les forces de l'ordre et les manifestants. Et lorsque on a observé la presse officielle, nous nous sommes rendus compte que, finalement, il n'y avait pas de traces réelles de ce qui s'est passé dans le pays, alors qu'il s'agitait d'une façon absolument exceptionnelle, inédite, la presse tunisienne continuait sur son bon train-train habituel. Au départ, donc, il s'agissait simplement de collecter le fond numérique de la Révolution, et c'était d'autant plus difficile que la plupart des documents ont été produits par des gens qui ne sont pas des journalistes, nécessairement, qui ne sont pas non plus des officiels, ni partis politiques, ni des associations. C'était le téléphone qui fonctionnait, c'était les technologies modernes. Et donc, il s'agissait de se rendre là où se trouvent les archives. Les chercher, c'était donc déjà trouver une méthodologie de sorte à ne pas ramasser n'importe quoi, n'importe comment, nous ne savions pas où nous pouvions aller. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé le rapport Goudelbel de la commission qui a fait, si vous vous souvenez bien, les investigations concernant les abus qui ont été perpétrés pendant cette période. Je souligne là-dessus que l'intérêt de cette démarche montre qu'il s'agit toujours de fructifier le travail qui est fait par les autres. Comme disait Rachel, il ne s'agit pas toujours de partir à partir de rien. Il ne s'agissait donc pas de négliger le travail qui a été fait par la commission de Goudelbel. Au contraire, nous avons utilisé ce rapport pour que des gens aillent, en particulier nos jeunes enquêtrices qui sont des étudiantes de l'Institut supérieur de documentation, qui sont allées partout dans le pays, qui ont sillonné le pays à droite et à gauche, qui ont ramené à peu près 1100 vidéos et autant de photos. Voici donc la fin de la première étape. Mais cette matière était brute. Que faire de cette matière brute? D'abord, elle a été prise en charge par les archives nationales qui ont mis à la disposition de notre collectif un bureau avec les moyens et avec M. Hatem Hattab qui est informaticien et qui a permis avec nos jeunes documentalistes d'essayer de faire tout un travail de catalogage et d'indexation de ce fond, ce qui n'est absolument pas facile parce qu'il fallait visionner toutes les vidéos, une à une, les recouper, les dater. Et tout à l'heure, Selma vous expliquera tout le travail qu'il a fallu faire pour authentifier, car il faut authentifier les documents. Et là, ça a été un travail extrêmement difficile, lourd et efficace, par ailleurs. Elle vous donnera tout à l'heure, je pense que c'est plutôt Delila, vous expliquera qu'il y a beaucoup de fautes de vidéos qu'on a été obligé de supprimer, du moins pour l'instant, parce qu'elles ne correspondent pas au moment exact lorsqu'on fait les recoupements avec d'autres vidéos qui sont, elles, authentique. Il y a eu des montages faits par les télévisions, il y a eu des montages faits par ceux qui ont pris des photos eux-mêmes. Donc c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui,
Nous pensons qu'on est arrivé, comme disait Sylvie Desgenèves, au moment de la réflexion. Il ne s'agit pas de conserver seulement, d'abriter seulement, il s'agit aussi de mener un travail de réflexion sur cette histoire du présent. Et là, c'est une innovation. Nos amis historiens vous le diront. Se pencher sur l'histoire vécue presque dans le présent, c'est quelque chose de nouveau qui est contesté par beaucoup d'historiens. Tout le monde n'est pas d'accord sur cette démarche et cette approche. Autre chose, nous nous sommes dit que ce fonds qui existe devrait être valorisé de plusieurs points de vue. Valorisé pour la recherche, mais valorisé aussi pour l'art. Et c'est la raison pour laquelle est née l'idée d'organiser une exposition itinérante qui circulerait en Tunisie et probablement en France. En tout cas, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que l'exposition aura lieu le 17 décembre 2018, dans un an exactement. Elle va démarrer du musée du Bardo, qui va l'abriter, et elle va circuler dans les différentes maisons de jeunes en Tunisie. Par ailleurs, nous ne sommes pas encore tout à fait fixés sur la date, mais cette même exposition sera également, va démarrer également au MUCEM à Marseille, et c'est la raison pour laquelle notre amie et collègue Elisabeth Sestor est là pour que nous puissions accorder nos violons, comme on dit. Voilà à peu près le projet. Je pense que vous avez écouté nos différents intervenants. D'abord, nous allons écouter Delila, qui va nous présenter le travail qu'elle a fait. Delila fait partie vraiment de ce qu'on pourrait appeler les chevilles ouvrières du projet. Donc vous allez essayer de bien l'écouter, de l'encourager, parce que cette jeune fille, en dépit de tout ce qu'on a pu lui dire sur « fais attention, tu ne peux pas circuler à l'intérieur du pays, les routes ne sont pas sûres, les gens risquent de ne pas t'accepter, ils ne veulent pas entendre parler des femmes, etc. etc. » Elle a affronté tout cela, elle est allée à Gèche, un peu partout. Hein? Elle est allée un peu partout, du nord au sud, avec sa petite taille, hein? Et sa timidité. Elle a réussi à obtenir tout ce fonds. C'est la raison pour laquelle je l'invite maintenant à présenter son travail. Et je vous invite, vous, surtout, à l'écouter avec intérêt. On l'applaudit d'abord. Delila va faire l'effort de présenter son travail en français, bien que ce ne soit pas sa langue de travail, ni sa langue spontanée de communication. Elle l'a fait par, politesse et par intérêt pour la présence de notre amie Elisabeth. Donc voilà, la collecte du patrimoine numérique de la Révolution, qui va contribuer aussi à sa valorisation. Je remplace Madame Rajer Fenich, la directrice, et j'ai eu le plaisir d'encadrer Delila pendant la durée de son enquête. Et il faut dire, je ne sais pas si Rama ne l'a pas dit, mais il y a eu aussi des questionnaires aux témoins, ou aux auteurs des vidéos qui ont été collectées, ou aux témoins oculaires. Donc nous avons aussi des questionnaires, on va sans doute aussi les exploiter. Bon, la parole à Delila, tu es prête? Ah, oui, ça, c'est bon. Bonjour, je suis Delila Zouhebi, archiviste chargée par les archives nationales de la collecte du patrimoine numérique de la Révolution. J'ai effectué avec eux deux autres entreprises des déplacements sur terrain dans un certain nombre de gouvernements et localités pour collecter à la source les photos, c'est-à-dire les formats
le format, la résolution et enfin le logiciel de traitement utilisé pour la description et l'indexation de ce fonds. En introduction, aujourd'hui nous sommes dans l'obligation de conserver et pérenniser la mémoire nationale en général, la mémoire numérique, en particulier vu son caractère éphémère et fragile, mais aussi de prémunir contre la menace de disparition qui pèse sur le format et les supports de cette nouvelle technologie d'archives et sur des nouvelles technologies. Donc, ce travail vise à la mise en valeur des archives numériques de la Révolution tunisienne en tant que source alternative pour la constitution d'une mémoire qui ne soit pas fondée sur la version officielle et journalistique classique. Donc, ces documents ont été produits par les blogueurs, des cyberactivistes, des manifestants et des syndicalistes. Ils constituent une nouvelle source originale et une alternative qui permet de constituer et reconstituer la mémoire numérique de la révolution tunisienne. Concernant les sources, on a plusieurs sources. Les familles des martyrs sont à l'origine d'une partie importante des vidéos collectées. Ces vidéos ont été gardées par les familles des martyrs comme preuve susceptible d'être présentées devant les tribunaux lors des procès. On trouve aussi les blogueurs et les cyberactivistes. Ils ont contribué à la couverture sur Internet des événements précédant la chute de Ben Ali, comme Lina Benhenni, Soufiane Benhaj, Guy Kaloucha. On trouve aussi les journalistes comme Soufiane Chorabi, les activistes politiques, on a le cas de Bézère, de l'IDP, qui ont fait un grand nombre de vidéos et de photos aussi, presque 500 documents. Les photographes du quartier ont filmé une partie aussi assez importante d'événements. On peut citer à titre d'exemple le travail qu'ils ont effectué à Alger nous a permis de collecter un nombre assez élevé de vidéos et de photos. On trouve aussi les chaînes de télévision comme France 24, Al Jazeera, l'Arabia, TV7, qui ont diffusé pendant le 29 jours de la révolution des vidéos et des flashs infos, les radios comme Radio Kalima et Mosaïque FM. Une autre source originale, par exemple, la maison de la culture de Tella. Nous avons collecté des vidéos rassemblées par les actrices de la maison de culture de Tella. Voilà la répartition. La répartition de volume des archives collectées par source. Afin de mieux visualiser les résultats de la collecte, je vous présenterai la répartition du volume des archives collectées par source, soulignant que le manifestant présentant sur terrain constitue la source principale en termes de volume, suivi des familles des martyrs, puis des activistes politiques et enfin des photographes du quartier. La typologie et le volume chiffré de fonds. Pendant la journée de 11 mars, nous avons sept résultats. Nous avons visité 17 gouvernements. Nous avons collecté 988 photos et 67 vidéos, hors les vidéos et les flashs des journaux télévisés. Maintenant, après le 11 mars, nous avons continué à faire des recherches et sur Internet. Donc, nous avons maintenant des vidéos et des photos sur 23 gouvernements. Juste un seul gouvernement. On n'a pas des vidéos, c'est Mahdi
dans le reste des gouvernements, nous avons dans chaque gouvernement des vidéos. Le nombre maintenant de vidéos, c'est 764 photos. Le nombre de photos maintenant, c'est 764 photos. Et le nombre de vidéos, 740. Mais donc, ici, le nombre a été diminué. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé le double, malgré qu'on a avancé dans la collecte, mais le nombre a été diminué. C'est parce que le double a été supprimé, ainsi que le photo postérieur de tout. Ainsi, donc, voilà. Car on a supprimé les deux. Nous avons créé aussi un tableau concernant les informations suivantes. Gouvernera, jour. Pour chaque jour, quels sont donc, le nombre de vidéos, photos de chaque jour. De 17 décembre au 14 janvier. Donc, ce tableau a été conçu selon une approche, respectant deux critères principaux, géographiques et chronologiques, pour donner une idée de l'évolution de volume de vidéos et de photos collectées durant le 29 jours de la Révolution. Donc, on a 32 photos pour le mois de décembre, de 17 au 31 2010. Décembre 2010, on a 85 vidéos pour le mois de janvier, de 1 au 14 janvier. On a 487 photos et 526 vidéos. Donc le total c'est 519 photos et 611 vidéos. C'est pas le même résultat qu'on a présenté tout à l'heure. C'est pourquoi? Parce qu'on a des vidéos qui ne sont pas datées ou bien des vidéos montées. Donc, alors, il y a donc 129 vidéos et 245 photos ne sont pas datées, bien que leur localisation géographique a été identifiée. Toutefois, leur datation n'est pas impossible à établir. Des recoupements minutieux peuvent être faits avec les vidéos déjà datées. La qualité technique des archives collectées. La qualité des vidéos est variable et dépend des moyens techniques utilisés par l'auteur, par exemple des caméras de téléphone ou bien des caméras professionnelles. Les vidéos collectées existent sous divers formats, DMP4, 3GP, donc voilà. Les vidéos téléchargées à partir de YouTube, Facebook et Dailymotion n'ont pas la même qualité que les vidéos enregistrées en direct sur un disque dur ou que celles qui sont bien filmées par une caméra professionnelle. Dans ce cas, les archives nationales ont gardé trois copies de ces vidéos. Une copie pour l'archivage avec les doubles formats initiaux, une copie triée avec le format initiaux et une troisième copie avec des vidéos donc, converties sous le format POMOV et des photos au format JPEG. Maintenant, je vous présente le logiciel de traitement archivistique de fonds, Alfresco. C'est un logiciel open source de gestion électronique de documents et d'archivage électronique, compatible avec les réseaux sociaux, possède une architecture similaire à celui de ces réseaux. Il permet le traitement de fichiers numériques, description, indexation, diffusion, tout format, image, vidéo, son. Il permet plusieurs modes de recherche. Voilà un exemple de recherche par bref. Un autre exemple de recherche par mot-clé. Voilà, pour conclure, le perspective de la collecte de traitement et de diffusion d'humeur ouverte et la collecte de vidéos, photos, statuts Facebook de cyberactivistes, d'articles, des blogueurs se poursuivra pour la période allant du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011,
Le document collecté par la Bibliothèque nationale de Tunisie représente un volume total de 1 giga. La collecte des archives relatives aux 29 jours de la Révolution s'impose comme une nécessité, car elle seule permettra de réserver la mémoire nationale et éviter la perte du patrimoine historique et culturel du pays. Enfin, nous espérons mettre les archives collectées à la disposition des chercheurs bientôt. Et merci. De point de vue déontologique aussi, nous étions dans l'obligation de sauvegarder cette mémoire numérique. La mémoire numérique, comme vous le savez tous, est une mémoire très susceptible à l'obsolescence. C'est-à-dire, au bout d'un certain moment, vous allez changer vos portables, vos ordinateurs, les protocoles d'enregistrement, les protocoles d'échange, etc. Et les pertes sont malheureusement parfois colossales. En termes de mémoire, il n'est pas permis de perdre ces vidéos-là, car d'une importance cruciale dans l'histoire de notre pays. Je reviens sur quelques idées et quelques axes qu'a traité Delille. D'abord pour les sources. C'est la première fois que nous avons collecté des sources non officielles, c'est-à-dire une information alternative, du cyberactivisme, des gens sur le terrain, c'est-à-dire nous avons collecté en quelque sorte l'information dès la source, c'est-à-dire dès le terrain, à partir des protagonistes, essentiellement les manifestants, les cyberactivistes, lors d'affrontements, par exemple, à Arguer et à Mazoubouzaïen, d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants. Nous avions aussi collecté des séquences rares et inédites, de martyrs, malheureusement, de blessés, et à l'instant même, ont été, certaines vidéos ont été enregistrées quasiment en direct à l'instant même des événements, c'est-à-dire à l'instant même de la blessure ou bien du décès des martyrs de la Révolution. En ce qui concerne les sources, la typologie et le volume. En termes de volume, il est vrai que c'est une petite archive, aux alentours de 100 gigaoctets à peu près. Mais, en termes de valeur informationnelle, c'est vraiment de l'information à l'état brut. C'est-à-dire, ce n'est pas une information journalistique, ce n'est pas une information à caractère officiel aussi, ce n'est pas la version officielle, c'est une version du terrain. Une petite archive 100 gigas, oui, mais à la taille de notre pays et à la taille des événements d'alors, c'est très signifiant. Vu le caractère improvisé de ces vidéos, d'une part, et le caractère improvisé des photos aussi. Ces gens-là, qui étaient sur le terrain, n'ont jamais compté exploiter ces vidéos dont le but, par exemple, de les diffuser à l'instant. Ils ne savaient pas le cours des événements de façon, disons, précise. La typologie, c'est des vidéos et des photos, essentiellement. Mais mon collègue Sifaisel à l'ABN a collecté aussi les statuts Facebook des cyberactivistes, les articles parus sur des blogs, des blogs bien précis, c'est-à-dire de gens qui ont pris part aux événements sur la toile, en quelque sorte des activistes dans le monde virtuel, mais dont l'impact était dans le monde réel aussi, et d'autres matières archivistiques et documentaires, telles que les caricatures par exemple, et qui peuvent servir comme matière à l'étude historique d'une part et à l'art aussi. La qualité technique des archives. Pour la qualité technique des archives, il est vrai qu'elle est très variable vu les supports initiaux d'enregistrement et les protocoles d'enregistrement. La résolution n'est pas vraiment au rendez-vous à tous les coups, mais elle est à 90% exploitable par le chercheur dont, après la diffusion d'ici quelques mois, j'espère. Grosso modo, pour les vidéos collectées, elles sont donc on peut identifier les protagonistes facilement.
des localités, et parfois, après des regroupements, on peut savoir aussi les lieux exacts et on peut faire un travail d'authentification le plus scientifique et le plus objectif possible. Le logiciel de traitement, c'est un logiciel open source. Bon, l'open source, il nous permet aussi une personnalisation vu que les codes sources sont disponibles sur Internet. C'est un travail, le travail de description et d'indexation a été fait sur la base des vidéos et des photos collectées. S'en suivront dans quelques mois les d'autres parties des archives qu'a collecté ces files, c'est mon collègue Rabéen. Et la mise en valeur sera faite par le biais de ce logiciel-là qui travaille comme un réseau social. C'est-à-dire il ne pose aucun problème au niveau de la manipulation et de l'interactivité. C'est un logiciel très interactif, malgré qu'il est open source, mais c'est un logiciel communautaire et il travaille sur les réseaux sociaux parfaitement. Il est très compatible aussi sur les réseaux sociaux. Il peut passer d'un protocole à l'autre au niveau de l'interopérabilité très facilement aussi. Pour les perspectives de ce travail, j'espère que la collecte continue. Malgré que la collecte est presque achevée pour les 29 jours de la Révolution, mais les vidéos et les matières archivistiques de l'après 14 janvier 2011 n'est pas encore collectée et risque malheureusement de disparaître. Malgré qu'elle existe encore, disons, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc., mais le risque de disparition n'est pas vraiment écarté. Merci. باش نقدم في الفقرة هذه مساهمة دار الكتب الوطنية في مشروع معرض الثورة التونسية من خلال الأرشفة الإلكترونية للوثائق الرقمية. أود في البداية أن أرحب بالجميع وأتوجه لكم بالشكر الجزيل على حضوركم الكريم لهذه الندوة التي سأقدم ضمن أعمالها هذه الفقرة الخاصة بمساهمة دار الكتب الوطنية في مشروع معرض الثورة التونسية من خلال تجميع الوثائق الرقمية من مواقع الويب. بعد شوية بيدخل بعد بيدخل. والشبكات الاجتماعية في الفترة الممتدة بين 17 من شهر ديسمبر 2010 و 14 من شهر جانفي 2011. قمت بطرح القيام بهذا العمل، قمت بطرح سؤالين. الأول هو لماذا هذا العمل؟ إن الغاية من هذا الحصاد الرقمي من الفريم حسب عبارة الدكتورة جمال سلامة من العمل إدارة الكتب الوطنية هي تجميع أقصى ما يمكن من هذه الأوعية الرقمية لاعتمادها كمصادر للبحث والدراسة والتأريخ لمرحلة الثورة التونسية باعتبارها حدثا ارتكز في جانب مهم منه على اعتماد الوسائل الإلكترونية المستحدثة مثل المدونات والشبكات الاجتماعية، كما أنها تتيح لنا بشكل مدهش أحيانا مطالعة رواية الثورة من خلال تجميع فصولها. ومن جانب آخر، وحسب ملاحظة المؤرخ والكاتب الفرنسي جان مارك سولومون مؤلف كتاب 28 يوما من الثورة، تبرز الحاجة الملحة لتلافي فقدان هذه الوثائق المعرضة بطبيعتها الهشة إلى المحو أو القرصنة أو التغيير، وبذلك نفقد شواهد مهمة على سيرورة الأحداث وميكانيزماتها المحركة. كيف؟ اعتمدنا لتحقيق ذلك على العودة إلى أرشيف المواقع الاجتماعية وخاصة الفيسبوك باعتباره وفي تلك الفترة بالتحديد يمثل الإعلام البديل الأول للشباب التونسي للوصول إلى المعلومة والتعبير عن الرأي. هنا ثم ملاحظة أنه في الفترة في تلك الفترة بالذات حسب إحصاء يعني دولية أنه مقارنة بعدد السكان كالشباب التونسي المستعمل للفيسبوك والنشط على الفيسبوك من أعلى النسب في أفريقيا والعالم العربي. لذلك قمنا بالرجوع إلى منشورات أكثر من 20 صفحة فيسبوك، هذا مبدئيا، هذا العدد الذي عملنا عليه مبدئيا يعني يمكن الاستزادة، أكثر من 20 صفحة فيسبوك ناشطة خلال أيام الثورة وتتميز بالمتابعة المكثفة للمشتركين فيها وبمنشوراتها الفورية الملاحقة للأحداث المتسارعة.
وذلك بتنزيل أغلب هذه المنشورات في سياق صور أو بي دي اف وتبويبها ومعالجتها رقميا وحدها. وقد قمنا بنفس الخطوات مع الحسابات الفيسبوكية الشخصية لأكثر من 20 ناشطا في هذا الفضاء، يعني بروفيل بيرسونال في هذا الفضاء الرقمي، ثم اختيارهم بالاعتماد على مساهمتهم في نقل الحدث والحث عليه والمشاركة فيه أيضا. يعني الناشطين على الفيسبوك في حساباتهم الشخصية يساهمون في صنع الحدث وتأثيره. وبالإضافة إلى الفيسبوك تمت متابعة وتنزيل مقالات وصور ومنشورات مختلفة من المدونات التي تابعنا منها قرابة 33 مدونة ناشطة في الفترة المعنية بما مجموعه أكثر من 316 وثيقة إلكترونية بما فيها مدونة لين. وما يمكن ملاحظته هنا من استخلاص من يعني ملاحظات من خلال هذا العمل، من خلال الاطلاع المباشر على هذه المنشورات ومتابعتها بدقة، أن الفيسبوك كان بحق متنفسا رحبا رغم الحظر المتواصل من قبل أجهزة السلطة آنذاك، متنفسا للشباب التونسي وفضاء للحوار والاختلاف والتراشق أحيانا ولإبراز الذكاء والمقدرة والابتكار في الهروب من أعين الرقيب وتجاوز الحجم، خاصة وأن أحداث الثورة يعني هذه ملاحظة مهمة أيضا ستجد أنها قبل أحداث الثورة يعني قبل يوم 17 ديسمبر كانت فما أحداث دالة قبل ذلك، منها المعركة الإلكترونية أو ما يعرف بمقارعة الرقيب عمار كاتسونكاف سبقت أيام الثورة. هذه التجربة في مقارعة عمار كاتسونكاف مثلت تراكما لخبرة مهمة سيتم استغلالها لاحقا في فترة الثورة في فترة 29 يوم من الثورة، مثلا فتح اليوتيوب، البروكسي التخفي، فتح صفحات وحسابات جديدة عند غلق الصفحات الأولى. الملاحظة الثانية هي تنوع المنشورات من فيديوهات أو صور ملتقطة بواسطة الهواتف المحمولة، لأن الفيديوهات أيضا موجودة بكثافة على صفحات الفيسبوك وعلى الحسابات الشخصية وخصوصا في الأيام الأولى للثورة، لأن مستوى الجرأة للتعليق أو للإعجاب أو للمشاركة ارتفع يعني بصفة تدريجية مع توالي الأحداث. أما ثانية تنوع منشورات من فيديوهات أو صور ملتقطة بواسطة الهاتف المحمولة من شهود عيان على الأحداث، والتي رغم جودتها المتدنية أحيانا تنقل رسائل هامة ومؤثرة في المتلقي، هذا ما سيكون له تأثير فيما بعد في الأيام الموالية إلى المقالات أو الأخبار المقتضبة أو دعوات المساندة. أيضا كانت هناك نقل مثلا الأعداد المحظورة من الجرائد الورقية في تلك الفترة، مثلا التجديد أو الموقف أو غيره، حتى ولو حضرت يعني في بيعها في الأسواق كان يتم نسخها وعرضها في الفيسبوك أو في المدونات. الملاحظة الثالثة هي الثراء الذي يتميز به هذا الفضاء. هذا الثراء يساعد على الاستزادة من الرصيد وتنمية الرصيد، إذ أن متابعة حساب شخصي أو صفحة تنقلك إلى حسابات وصفحات أخرى. لما تميز به النشاط الإلكتروني خلال تلك الفترة من تضامن وتشارك في نقل المعلومة وإتاحتها وإعادة نشرها رغم تباين أنشطة بعض الصفحات. يعني في الفترة هذيك لم يكن هناك مشكل في نقل معلومة من صفحة ولتنشرها صفحة أخرى أو من حساب لينشرها حساب آخر حتى ولو لم يذكر المصدر، كان هناك نوع من الانسجام والتضامن العفوي ربما. والثاني المستوى الثاني هو أنه هناك صفحات يعني قبل 17 ديسمبر كانت مختصة بالأمور الفنية أو الرياضية اندمجت منذ البداية مع الأحداث. سأري مثالا بعد قليل، مثلا صفحة رياضية في لأولمبيك سيدي بوزيد، جرين بويز لأولمبيك سيدي بوزيد، منذ يوم 17 ديسمبر تبنت نقل الأحداث روايتها والتعليق عليها، لم تعد هناك أخبار رياضية رغم أنها صفحة رياضية. الملاحظة الرابعة هو النسق التصاعدي مع مرور أيام الثورة واحتدام المواجهة مع النظام.
هذا على مستوى الجرأة في التعاطي مع الأحداث، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المتابعين والمتفاعلين بالإعجاب والمشاركة والتعليق على المنشورات، يعني الخواص متاع الفيسبوك، ويتخذ هذا النسق سرعة أكبر مع كل حادثة ذات تأثير مثل توالي سقوط الشهداء ونقل الفيديوهات الحية والصور المؤثرة، كان عنده تأثير كبير حتى على الـ يعني الصامتين أو نوع من الخوف أو قلة الجرأة. مع توالي هذه الأحداث يعني تجد مثلا منشورا في الأيام الأولى في 3 حالات إعجاب أو مشاركة واحدة، مع تولي هذه الأحداث وحدتها وحدة المشاهد دائما، يعني الفيسبوك والمتابعة مشاهد قاسية حقا ربما حتى نحن نستطيع نقلها هنا، مع هذا المستوى التأثير ازدادت جرأة المتابعين، يعني المتابعين والمشتركين في هذه الصفحات، وازداد بالتالي أعداد المشتركين في هذه الصفحات، ثم ازداد بالتالي المشاركة يعني تشارك هذه الملفات ونقلها. ومثلت المدونات والفيسبوك لكن ثم ملاحظة أخرى سامحوني، أنه هناك عند جمعنا قيام في هذا العمل لجمع أغلب ما يمكن يعني من هذه الأرصدة من هذه الأوعية الإلكترونية، واجهنا مشكلة حقا ربما بعد 6 سنوات أو 7 سنوات من الثورة، معناها كما نقول يريدنا بدينا من قبل، كون عديد الصفحات الكبرى والتي ذكرت في دراسات وذكرت في أبحاث عن الثورة التونسية، عديد الصفحات الكبرى لم يعد لها من أثر، لم تعد موجودة، وفقد مخزونها الهام، مخزون هام جدا من المقالات، من التعبيرات، من اللوحات الفنية، الصور، الفيديوهات، المشاركات، التعليقات، يعني رصيد كبير جدا، وكانت تحظى بمتابعة كبرى وأعداد كبرى من المشتركين في هذه الصفحات. للأسف يعني هذه عديد الصفحات هذه بحثنا عنها كثيرا لكنها فقدت. الأسباب يمكن غلق تلقائي من مدير الصفحة أو قرصنتها أو تغييرها، تغيير رابطها أو تغيير عنوانها. للأسف مثلا نعطي مثال، مثلا صفحة ابتسم أنت لست من سيدي بوزيد، من أولى الصفحات التي تعاطت مع الأحداث. يوميات الأحداث في سيدي بوزيد نفس الشيء، يعني حامل نوع آخر من وصيغة أخرى من النشر الإلكتروني، هي المدونات هذه والفيسبوك مثلت حاملا في حد ذاتها حاملا لفن الكاريكاتير. مثلا فن الكاريكاتير هو نعرف أنه يعني فن غير منتشر جدا، فن كان يمر قبل الثورة بفترة احتشام، أسماء معينة معروفة يعني نعرفها، لكن لم يكن يحظى بمتابعة أو بمكانة تليق به. المدونات الفيسبوك حاملة لفن الكاريكاتير الذي لم يجد رسموه المعبرون عن قراءتهم لأحداث الثورة غيره لعرض إنتاجه، لم يعرضوا إنتاجهم في أروقة فنية مثلا. وقد قمنا بتنزيل أعمال 5 من الرسامين الكاريكاتيريين. لماذا 5؟ لأن 5 هم الذين وجدنا يعني أعمالهم في الفترة هذه. رسامين أغلبهم من الشباب بما مجموعه 41 لوحة. ولم نتعرض في الأعمال السابقة الذكر لمشكل من جهة تحديد تواريخ المنشورات بدقة لورودها مرافقة لهذه المنشورات الفيسبوك المدونات الكاريكاتير. نعرف كل أن التاريخ محدد، يعني كل منشور أو كذا التاريخ يحدده الفيسبوك يعني واضح بدقة، لكن هذا واجهناه في مستوى آخر هو خلال جمعنا لبعض الصور وخاصة لوحات الجرافيتي، يعني الرسوم والكتابات على الجدران التي كانت قبل الثورة مستوى معين، يمكن كانت تهتم بالجانب الرياضي منها أكثر بعض الحالات السياسية سابقا، لكن مع الثورة عديد الرسوم. لكن الإشكالية التي واجهناها هنا من الناحية يعني الدقة والتحديد والإتاحة يعني معلومة صحيحة ودقيقة للبحث هي التاريخ، لأنه لا يمكن أن تعرف
قبل أن يمكن لا يمكن أن تعرف من رسم هذا الرسم على الجدار ومتى. يمكن المضمون أو كذا يقارب تقريبيا، لكن ليس هناك يعني دل. وما واجهنا وثلاث جمع لبعض الصور وخاصة للوحات الجرافيتي، هذا الفن الذي بدأ مرتشفا صعب التحديد الزمني بدقة، لأن صورة الرسم الجرافيتي على حائط تحمل غالبا تاريخا محددا للرسم. وفي نفس سياق الأعمال الفنية المختلفة قمنا بتنزيل ما استطعنا تحديد تاريخ تنفيذه ولو تقريبيا ليكون ضمن الأيام 29 للثورة. هناك يعني مثلا هناك تيبات يعني غناء را غناء المتزم محمد بحر كانت عنده أغنية فهمتني بوزيد في فترة الأيام 29، الراب لمباتابل، الشعر القصيدة الشهيرة للصغير بن أحمد، بالإضافة إلى المعلقات والصور المنجزة بواسطة البرامج المعلوماتية وهي نوع آخر من الإبداع الفني. نحب نعرض أنا توا عليكم هذا يمثلنا جوائز إنسان بدار الكتب الوطنية. هذه إحصائيات يعني للرسوم الكاريكاتير اللي بلوغ ما استخلصناه في كل هذه الحوامل. بالنسبة للكاريكاتير اللي خصم هذه خمسة رسوم للرسامين، هذا جزء مفصل يعني فيه بالتواريخ المحددة لكل وللحامل وللرابط الإلكتروني لهذا الحامل. هذا تقسيم حسب الأشهر يعني ديسمبر ولا جانفيه. هذا الرسم 19 12 10 يعني تناولت هنا المواد خاصة في الفترة الأولى في الثلاث أيام الأولى للثورة، يعني رصيد أكبر بكثير من هنا لكن يمتد على 29 يوم. البلوغ مجموعة كبيرة قلنا 33 بلوغ بما مجموع واستخلصنا إلى حد الآن 316 مقال. هذا جدول يحدد عدد المقالات والبلوغ، عناوين المدونات وروابطها، هذا ما يعود إلى الحجم، هذا ما مدونة مثلا. المدونات هذه وردت فيها مقالات في الفترة الزمنية المحددة بالحصاد الرقم. نواة فيسبوك هذه اللي كنت نحكي عليها، الجرين بويز اس بيزيد، هذه صفحة رياضية خاصة بأولمبيك سيدي بيزيد. نشوفوا هنا التاريخ 17 ديسمبر تحولت إلى مواكبة الأحداث والتعبير عنها. هوني على الحجر حيسن ياسف عبد الفيس عبد النجاد حتى يراوي لا على الوقت ما نحبش نحكي هوني صفحة كثيرة. هوني مثال نقل يعني صفحة تنقل عن صفحة أخرى أو تبث فيديو لصفحة أخرى حتى رغم تباين الصفحات ولا توجهات الصفحات، لكن في هذا الحدث كانت فما نوع من الانسجام والتضامن والوحدة كما قلنا العفوية أو لا أعلم ربما البحث والذي والدراسة هي مثلا. هذه من أكبر الصفحات التونسية وكانت تنقل مثلا هذا في يوم 17 تعرض الصحفي زهير المخلوف للاعتداء يعني بالصورة والتحديد، وايضا يضعون روابط للفيديوهات لنقل لانه مع الصور كانت توجد فيديوهات تعبر عن نفس محتوى الصور. هذه زاد من اولى الصفحات شعب تونس يحلق في روحه لسياده الرئيس، من اولى الصفحات اللي كانت موجوده. نلاحظ انه بتاريخ 18 ديسمبر يعني تستطيع الشباب يمكن تؤرخ لهذا الشعار هوني الحجم مشكلة الحجم. وهنا نلاحظ مثلا عمار خدم لا حول ولا قوة الا بالله، الرجاء الانضمام للصفحة الرابعة، يعني ديجا فما أربع صفحات يعني للاحتياط. هنا مثلا كانت فما حملة كبيرة موجهة للإعلام الرسمي بالمقارنة مع الإعلام يعني الخارجي أو الأجنبي، وكانت موجهة بالتحديد لقناة يعني تسمى آنذاك قناة تونس 7، والمقارنة بين ما تبثه وما يحدث وما تبثه القنوات الأجنبية. السبيل أونلاين
كانت ايضا معبره مثلا هوني المحامي محمد عبده يعبر عن احداث وكان مفتوحه على كل التعبير في الفيسبوك. لاحظوا هوني مثلا من ناشطين يعني من اشهر الناشطين مثلا عزيز عمامي نحرق ولا نحرقكم ولا نحرق روحي ريب محمد بوعزيز هذه 18 ديسمبر. ملاحظة أخرى أنه التفاعل كان فوري، التفاعل مع الحدث منذ اليوم الأول كان فوري وكان له حضور كبير جدا على الشبكات الاجتماعية والإعلام البديل. نقل صور حمادي كالوشة مثلا أمين بوعزيزي، هوني مثال أمين بوعزيزي 18 ديسمبر يعني كان على عين المكان وتتواصل يعني ينقل فما نقل للأحداث ما يعني من ساعة إلى أخرى يعني محدد. معز الباي نوع من التعبير الفني يقول عزيز عمامي هوني أيضا تعبير على لأن السنة 2010 هي السنة الدولية للشباب يعني والتناقض بين ما يبث الإعلام. هنا ايضا ولو انا بتاريخ 28/12/2010 هذه القصيده الشهيره للصغير ولد احمد الفراشه. الجرافيتي كيف ما قلنا والاشكاليه اللي واجهناها يعني ما كانش هو الكم الجرافيتي الموجود على الويب كثير لكن تحديده او ربطه بهذه الفتره دون ان نملك يعني دليلا صعب جدا. هذه نوع من الصور المنشورة على الصفحات وعلى المدونات. هذه بتاريخ 18 ديسمبر 2010 سيدي بوزيد. يعني جودة الصور أو جودة الفيديوهات تكون محل إشكالية. هذه من الأيام الأولى يعني يوم 18 خرجت هذه الصورة. نلاحظ كلمة الثورة ريفولوشن يعني من ذلك التاريخ بدأنا الحديث عن ثورة. طاج تكريم معالي من أجل شمس الشعر المعروف. مواجهة العالم الرسمي، التعبير عن وضعية العالم الرسمي آنذاك. نوع من اللوحات التعبيرات والمقارنة بينما تعبر أكثر عن العاطلين عن من أصحاب الشهادة واجب الذي مجان. هذه من الصور الأولى أيضا من الثورة. هنا نقلت مثلا تناقلتها عديد الصفحات نوع من الإبداع يعني التونسي الإبداع الشبابي التونسي هو تحديد اللي كانت هما الخرائط حسب تواتر الاحداث وتصاعدها. مثلا في الايام الاولى ما يمثله بالدوائر الحمراء حسب قطرها هي المواجهات وانحدام المواجهات وشده المواجهات والمناطق الموجوده فيها ونلاحظ تطورها من يوم الى اخر يوم 28 حتى انه يعني متابعه الصفحات متابعه الحسابات ومتابعه الناشطين على الفيسبوك المدونات كانت دقيقة إلى درجة نلاحظ أن الخريطة اليوم 28 ديسمبر 2010 على الساعة الواحدة والربع ثم نجد على الساعة السابعة والربع من نفس اليوم وكانت معبرة جدا يعني هذه الخرائط يوم 29 يوم 30 يوم 31 والصفحة التي تنجزها تتناقلها عدد الصفحات الأخرى المعلومة تصل إلى عدد كبير من المتابعين. هوني حبيت ان تعبيره اخرى عن الذكاء الشبابي التونسي ودوره في الثوره. عندنا زوج صور هوني. الاول هو صحافي يبرر للحجب يبرر لغلق عديد المواقع وعديد المدونات وعديد الصفحات
مثلا نجم نقراكم لماذا بعض الكتب لا تباع في تونس؟ لماذا بعض الافلام لا تعرض في تونس؟ هل تقبل انت او اي مواطن ان تباع كتب او تعرض افلام منافيه للاخلاق او تسيء الى تونس او تقدح الدين؟ كذلك حال المواقع وهذا شان عالمي. اخيرا هل توقف الامر على بعض المواقع المحجوبه في الانترنت تزخر ب 40 مليار صفحه؟ نوع من التبرير التبريرات السخيفه للحجم. في المقابل نجد يعني عباره عن نكته هذا الاعلان. هذا اعلان في ايام الثوره، في ايام الثوره ما زال النظام قائما في صحيفه لابريس، شخص يقوم بالاعلان انه يعني ينزل، معناها في من يريد ان ينزل برنامج لتجاوز الحجب على اليوتيوب فهو جاهز ويضع رقم هاتفه ومرت على الرقيب، لان لا اظن ان الرقيب يتابع صفحه الاعلانات في لابريس. نوع من ال 20 دينار. هذا نوع اخر زاد يعني تمت مشاركته كثيرا في الصفحات والتعبير عن التضامن وعن الذكاء ايضا. طريقه تجاوز الحجم عن طريق البروكسي والبي بي وغيره وكذا. هذا ما عندي. وهناك الجزء الثاني وهو جزء ورقي قامت به أنجزته زميلتي أمال، ستقدمه لكم فلتتفضل. الكل اللي فتح لي من دار الكتب الوطنية، مهمتي مكتبية. حبيت في البداية نوجه تحية والترحاب لجميع الحضور، وأتوجه إليكم بجزيل الشكر لحضوركم الكريم في هذه الندوة واليوم الدراسي، والتي سأقدم من خلالها المساهمة الخاصة بدار الكتب الوطنية ضمن مشروع معرض الثورة التونسية من خلال ما كتب ونشر بالصحف والمجلات التونسية الناطقة سواء باللغة العربية أو الناطقة باللغة الأجنبية بين الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 إلى 14 جانفي 2011، وهي الفترة الممتدة 29 يوم فترة الثورة واندلاعها. وهي طبعا تعتبر مادة هامة من مصادر البحث والدراسة، وتؤرخ لفترة زمنية مهمة من تاريخ تونس المعاصر. لذلك حاولت قدر المستطاع وبالرجوع إلى رصيد دار الكتب الوطنية من الدوريات بتجميع كافة الصحف والمجلات التونسية الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، ووصلت إلى ما يلي. كما تشاهدون في النموذج، تحصلت على مجموع 25 عنوان بين صحف ومجلات، منها 18 عنوان ناطق باللغة العربية، 7 عناوين ناطقة باللغة الفرنسية تحديدا، حيث انقسمت هذه الصحف والمجلات على نحوتين: 9 صحف ومجلات يومية، 14 صحيفة ومجلة أسبوعية، صحيفة واحدة نصف شهرية وهي مجلة حقائق، صحيفة واحدة شهرية في تلك الفترة وهي جريدة مواطنون، ثم توقفت بعد ذلك في جويليا أوت 2012. ثم بعد ذلك توصلت إلى استخراج قرابة 294 عدد من مجموع العناوين. هذا وأود الإشارة إلى وجود صعوبات في تحصيل كل من المجلات والصحف الأجنبية نظرا لغيابها على الساحة الوطنية في تلك الفترة. وعلى سبيل المثال أذكر جريدة ليبراسيون، لو موند، باري ماتش وغيرها. وكان من أهم الأسباب لهذا الغياب في تلك الفترة هو بطبيعة الحال تسليط الحظر
على بعض الصحف الإسرائيلية من قبل النظام بطبيعة الحال، ولكن يمكن القول كذلك بأنه وجد الحل لهذه المشكلة، وذلك عن طريق تغيير طبيعة الوعاء من وجوده المادي يعني الورقي إلى رقمي، وذلك عن طريق البحث عن الصحف والمجلات المحظورة وتنزيلها عن طريق الإنترنت. وأيضا نحن كدار كتب الوطنية نحاول بصدد مراسلة بعض دور الصحف الأجنبية حتى نتمكن من اقتناء كامل الأعداد الناقصة برصيد دار الكتب الوطنية التونسية في الفترة الزمنية الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و 14 جانفي 2011. قبل ما نعيد الكلمة لزميلي فيصل، حبيت نسوق ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي كيف ما بشتراه بعد شوية من خلال عرض بعض الأمثلة للصحف التونسية، إنه الصورة والصوت تسبق ديما الكتابة. يعني باش تلقاو خديت مثال نتاع الثلاث أيام الأولى من الثورة اللي هما 17 و18 و19 ديسمبر، اللي باش تلاحظوا تقريبا 90% أو 95% ما فما حتى شيء يدل اللي فما أحداث معناها ساخنة في تونس. كما تراو هكا معناها اخترت كيف ما قلت لكم 3 أيام الأولانيين للثورة. ثورة صفك تقريبا جريدة واحدة هي جريدة الموقف المعارضة في الفترة هذيك، باش تلاحظوا اللي نهار 17 ديسمبر كتبت ارتيكل مهم جدا تتنبأ انه باش يكون سنة 2011 تكون سنة ساخنة، وذلك صار فعلا. به الملاحظة الثانية اللي حبيت نسوقها أيضا، إنه بعض الصحف التي كانت تصدر قبل الثورة توقفت تماما عن الصدور، مثل جريدة الحرية وجريدة لورونوفو. في المقابل هناك بعض الصحف التونسية المحظورة قبل الثورة من قبل النظام عادت إلى الصدور من جديد، مثل كل من جريدة المغرب وجريدة الفجر. وشكرا. نحن نشكر كيف زملائي كل اللي خدموا معنا في المشروع هذايا، ونحب ان نرفع نداء طلب يعبر انه هذا الرصيد المتنامي كل يوم ما زال مفتوحا في كثير من جوانبه على الاضافه والاستزاده مما تحفل به مواقع الويب من معلومات وشواهد، ويظل باب البحث مشرعا وموسم هذا الحصاد الرقمي طويلا، ولكنه مستعجل ايضا ويحتاج الى تضافر جهود الجميع لربح الوقت قبل فوات الاوان وقبل فقدان هذه المصادر او سحبها كما سحب غيرها. ولتكون دعوة بهذه المناسبة أوجهها من خلال هذه الندوة ومن خلال حضوركم الكريم لكل من يملكون الوثائق المتعلقة بفترة الثورة وخاصة الرقمية منها، لتقديمها للمؤسسات المختصة لمعالجتها تقنيا وحفظها وإتاحتها للبحث فيما بعد، وهو ما يكفل لها بأن تمنحنا وتمنح الأجيال القادمة رواية أقرب إلى الحقيقة. لا يفوتني أيضا في الختام وبعد تجديد ترحابي بكم وشكري لكم، على التوجه بعبارات الامتنان لمؤطرينا أساتذتنا الأجلاء الذين منحونا شرف المساهمة في هذا العمل ولم يبخلوا علينا بالنصح والتوجيه والتصحيح، كل ذلك بصدر رحب وأخلاق رفيعة، فشكرا لهم وشكرا لكم جميعا. En ma qualité quand même d'enseignante à l'Institut de documentation et
participante à ce projet, je vois qu'il y a peut-être juste quelques clarifications pour pouvoir situer ce travail-là dans tout un processus. On dit que la chaîne documentaire et la chaîne archivistique est composée de trois grandes étapes. La collecte, le traitement et la diffusion. Bien sûr, chaque étape se subdivise. Ce que a été présenté ici, c'est l'étape de la collecte, mais avec des problématiques bien particulières, parce que les sources de l'information sont informelles. Les supports sont très très particuliers et spécifiques en ce sens que vous avez remarqué qu'il n'y a pas de livre. Il y a des photos, vidéos, articles de journaux, des blogs avec les différents liens, caricatures, soudan, etc. Donc des supports non traditionnels, des archives privées, dont la crédibilité et la fiabilité restent à vérifier. Et c'est toutes les problématiques de la collecte qui sont là étalées. En général, ce travail-là se fait dans ce qu'on appelle le back-office. L'utilisateur ne voit que le front-office, c'est-à-dire voilà, les revues des livres partent d'une base de données facilement accessible avec quelques liens, des signés, etc. Si vous voulez, puisque les profils sont assez variés ici, mais que nous sommes tout de même à la Bibliothèque nationale et en la présence du directeur des archives nationales, il faudrait aussi que la méthodologie employée pour la collecte donne lieu aussi à des recherches pour renouveler les théories classiques de la recherche de l'information et de son traitement et de sa diffusion. Mis à part, bien sûr, tout l'intérêt que les informations, une fois traitées et indexées, cataloguées, etc., soient disponibles pour les autres profils ou les autres centres d'intérêt sociologiques, historiques, etc. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Léon Timimi. J'ai été choisie pour être la commissaire d'exposition de ce grand projet. Je n'ai pas voulu préparer un speech parce que la chose s'est faite spontanément, d'ailleurs comme ce soulèvement, comme le fait que je me sois retrouvée dans cette exposition. Donc j'ai préféré plutôt faire une introduction personnelle, comment je me suis retrouvée là-dedans, et le fait que tout soit lié en fait. Quand je retraverse personnellement les 29 jours, ces 29 jours de la Révolution, du 17 décembre au 14 janvier, dans mon esprit, ce qui en ressort, c'est surtout les sentiments d'euphorie dans lesquels on replonge actuellement en travaillant là-dessus, de rage, d'injustice, de peur et de pleurs. Et dans mon cas particulier, beaucoup de frustration parce que je ne pouvais pas descendre dans la rue étant donné que j'étais sans papier tunisien. Ça existe. Bon, ça c'est une autre partie de l'histoire. Et ce que je suis restée à faire tout ce moment-là, jusqu'au 14, parce que le 14 janvier, c'est là où j'ai décidé de descendre dans la rue. Mais pendant ces 29 jours, ce que j'ai fait, étant un peu geek et archiviste dans mes passions, j'ai téléchargé en fait toutes les vidéos, jour par jour, à partir du 17 décembre. J'étais sûre d'une chose. D'abord, j'ai grandi dans un pays toujours à censure, toujours à mensonges historiques et manipulations historiques. Je suis issu d'un peuple amnésique, que ce soit une volonté politique ou pas. Donc je pense que ce que je voulais faire à ce moment-là, ne pouvant pas être physiquement sur le terrain, j'ai dit j'archive ces histoires de ces gens spontanés. Et ces archives-là, donc, je les ai gardées précieusement. Je les ai laissés, je les ai oubliés pendant 2-3 ans.
jusqu'à ce que M. Hichmi Benfresh me contacte et me fasse rencontrer Rabat. Et je ne vous cache pas que j'avais peur, parce que je ne savais pas où ces archives allaient tomber, si c'était entre de bonnes mains ou pas, mais j'étais rassurée, et de là, je me suis retrouvée commissaire de cette expo. Donc la même crainte que j'ai eue en déposant mes archives, après l'assurance et le soulagement que j'étais entourée de gens avec une honnêteté intellectuelle, m'a donné envie de poursuivre cette aventure. Et je prends la responsabilité de tout ce qui suivra d'ici à un an. Et je suis prête. Alors là, je voudrais vous présenter l'équipe. Donc, entre autres, bien sûr, sans oublier les précédents partenaires qui sont très importants, sans qui il n'y aurait pas cette expo, qui sont les bibliothécaires et les archivistes, qui ont fait un travail monumental et qui nous servira de matière brute pour réaliser cette exposition. Je vous présenterai Béchir Yehi et notre scénographe qui développera ces dispositifs scénographiques. Donc, et Salma Zridi est notre monteuse qui s'occupera de faire le montage éventuellement de toutes ces vidéos et photos. Donc là, en fait, on va se concentrer, étant donné que toute l'exposition est basée sur 13 moments, et qu'on vient à peine, enfin, il y a quelques mois, il a été décidé de faire cette exposition. Donc ça avance, on redécouvre. On revisualise plutôt toutes ces vidéos qui ont été récoltées. Même si j'ai déposé mes archives, j'ai vu que c'était une part de ma vérité, que j'ai découvert plein d'autres vérités, d'où la nécessité et l'importance de continuer ces collectes et de couvrir toutes les régions afin que chacun retrouve sa dignité qui est à l'origine de ce soulèvement, le Kalama. C'est la continuité de ce soulèvement. Et nous allons nous concentrer donc sur un moment, qui est le troisième moment, l'étincelle à Sidi Bouzid, sur les 17, 18, 19 décembre, sur ces trois jours. Et Béchir va vous donner un aperçu du travail que nous constituerons tous ensemble à partir de cette base de travail qui est le moment 3. Je vous prie. Bonjour à tous, et à présent je m'appelle Béchir Yehi, architecte et scénographe. J'ai eu l'honneur de faire partie de cette équipe-là suite à un appel à candidature. J'ai été retenu. J'ai pris le travail en cours, j'ai pris en quelque sorte le train en marche. J'ai trouvé une équipe qui s'est attelée à énormément de questions avec énormément de données sur la table. Pour des fins scénographiques, il fallait analyser ces éléments-là. Alors, je commence mon exposé sur la scénographie de l'exposition « Une médiation par l'espace ». La scénographie est un moyen qu'a choisi toute l'équipe pour restituer ces archives-là, pour restituer toutes ces données récoltées, collectées par nos archivistes qui ont exposé tout à l'heure leur travail sur ce plan. Donc, un bref aperçu sur ce que c'est que la scénographie d'exposition. La scénographie d'exposition, une médiation par l'espace. Si on peut diminuer la lumière. Donc, la scénographie d'exposition est une forme de médiation spatiale. Cette fonction de passation se retrouve dans le rôle de la scénographie au sein de l'exposition temporaire. Elle est là pour transmettre la pensée d'un artiste, le discours d'un commissaire scientifique, à destination d'un public, non pas par un vecteur textuel, écrit ou corporel, mais par le truanchement d'une création spatiale sensible, universellement évocatrice et signifiante. La scénographie se doit de toujours rester humble, évitant à chaque pas de se substituer au sujet lui-même de l'exposition. Ce métier synthétise des compétences diverses, car par vocation, il est supposé orchestrer un grand nombre de savoir-faire et de faire savoir. À la fois concepteur, artiste, technicien et muséographe, le scénographe d'exposition exerce un métier pluridisciplinaire. Par là, je veux
souligner l'importance de cette pluridisciplinarité au sein de l'équipe et du fait que pour des fins scénographiques, il va falloir faire appel à plusieurs corps de métier, d'où l'importance de ce projet. Et c'est ce qui va donner corps à ce projet de restitution sous sa forme d'exposition. Alors, un lieu a été choisi, celui du musée du Bardo, un lieu qui confronte un passé contemporain et un passé vécu. Alors, ça va être dans la salle d'exposition temporaire. On va là à la façade du musée du Bardo, on a l'entrée principale du musée. L'espace est un espace attenant à cette grande fresque que tout le monde connaît, qui se trouve à l'entrée du musée. Donc, on parle de 475 mètres carrés de surface totale et une surface dédiée à l'exposition de 335 mètres carrés. Ça va être l'espace alloué à cette exposition. C'est un espace conséquent. On va essayer d'étaler, de raconter cette révolution de par tous les documents qui ont été étalés ou qui ont été mis sur la table. Donc, une brève visite de cet espace-là, pour voir un peu la qualité spatiale. Alors, là, on se trouve avec un espace qui se compose d'une mezzanine en hauteur et d'un espace en bas. C'est une sorte de dépression en bas où on peut, Martha, visiter cette exposition. Alors, pour aborder ce projet-là, il fallait décortiquer ces données-là. Il y a eu un fonds, une banque, des archives, qui se constitue de plusieurs supports d'archives, journaux, vidéos, blogs, sites web, statuts Facebook, des vidéos de cybercitoyens, de journaux, journalistes cybercitoyens, des vidéos de journalistes. Et les supports sont hétéroclites. Et suite à ces archives-là, il y a des faits historiques. Ces faits historiques-là piochent dans ces archives-là pour donner des arguments à ces faits historiques-là. Ce sont des faits qui ont rebondi sur la base d'archives telles que des vidéos ou des articles de presse. Ces faits historiques-là, le travail scénographique consiste à les raconter, à en faire un récit narratif de cette révolution, de cette période choisie par toute l'équipe pour raconter cette exposition. Les moyens narratifs sont une voix narrative, par exemple, un témoignage humain. Et il ne faut pas oublier que c'est aussi un vécu qui est toujours ancré dans la mémoire collective. Il va falloir aussi, dans le cadre de cette exposition-là, donner cette dimension-là humaine de récit de tous ces acteurs ou de tous ces citoyens qui ont vécu, pas tous, mais d'après les faits historiques, il y a par exemple certains noms clés ou il y a certains acteurs majeurs dans cette révolution qui ont été pris comme référence pour l'écriture de ces faits historiques, et ça sera intéressant dans le cadre de cette exposition de les restituer, de voir leur vécu de cette révolution ou de ces différents moments-là. À chaque fois, ces intervenants donnent leur rapport et argumentent des faits historiques, donc ça sera intéressant de les exposer. Alors, avec ces moyens narratifs, il va falloir les donner au public par le biais de moyens scéniques. Les moyens scéniques sont une architecture scénographique, ils peuvent être aussi une architecture immersive par le son et la lumière, projection vidéo, vidéo mapping, voix off, etc. Donc là, on étale tout ce qu'on a comme boîte à outils pour exposer ces faits-là au grand public. Il va falloir rendre ludique cette révolution, créer des liens entre ces événements, tisser des cheminements entre ces différents événements et moments. Il y a, d'après la lecture de ces faits historiques, ces 13 moments,
il y a différents axes qui sont étalés à mon œil, qui sont l'axe de l'évolution temporelle de cette révolution. Tout à l'heure, on a évoqué, par exemple, l'évolution des faits par rapport à l'étalement des événements, même via les réseaux sociaux. Il y a eu une augmentation dans le nombre de blogs, par exemple. Ça, c'est une évolution temporelle. Il y a une succession d'événements qui s'est accélérée d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a eu une évolution temporelle. Il y a eu une évolution spatiale aussi. Parce que cette révolution, elle a commencé par des affrontements dans une région et après, elle a fait tache d'huile sur tout un pays. Donc, il y a eu une évolution spatiale à analyser, à décortiquer, toujours en revenant sur les pièces d'archives ou les récits historiques. Et puis après, il y a un impact humain que je trouve très nécessaire à faire sortir de cette exposition. Il ne s'agit pas d'une restitution brute, mais ici aussi, le récit humain est aussi une part des archives qu'il faut collecter. C'est une histoire qu'il faut retenir et qu'il faut restituer, je trouve, dans cette exposition. Donc, ces principes-là, ces vecteurs-là ont été retenus et il va falloir les retransmettre spatialement. Comment faire vivre, comment faire naviguer physiquement un visiteur à une exposition et le projeter dans un récit narratif tridimensionnel. Donc, on voit devant nous là une 3D qui résume un peu l'espace à notre disposition et qui peut articuler ces différents vecteurs narratifs. Donc, j'ai pu sortir les différents axes majeurs qui sont le temps. Donc, il y a un mur dans cette exposition-là que j'ai appelé un time wall sur lequel on va évoluer sur l'échelle temps. Cette révolution-là a eu deux espaces, l'espace cyber-espace et l'espace physique, l'espace de la rue, l'espace des urbains. Donc l'exposition reflète ces deux espaces-là. Ces moments-là qu'on a décortiqués dans le récit historique deviennent, dans le récit scénique, des moments monuments, c'est-à-dire qu'on va physiquement rendre ces moments-là physiquement palpable pour le visiteur. Le cyberespace lui alloue un social wall. C'est un peu semblable à ce qu'on voit comme sur les réseaux sociaux, un mur des réseaux sociaux sur lequel on va projeter toutes ces initiatives de blogueurs, toutes ces initiatives des cyber-initiatives. On va parler de la blogosphère sur ce mur-là. C'est le mur en bleu, le social wall. Tous ces événements-là vont s'impacter sur un mur qui va s'appeler un mur, le Human Wall. Ça va être le mur où on va récolter tous les témoignages que je souhaiterais. Ça va être la production propre à l'exposition. Ça va être une collecte de tous ces témoignages-là qui va faire le lien, un peu le ciment entre ces différents événements, entre cette évolution spatio-temporelle dans l'espace, mais aussi dans l'espace, le cyberespace. Et ça va donner une valeur, une dimension plus humaine à ces archives-là, je pense, et je trouve ça nécessaire de le mettre sur la table, cette question de témoignage humain. Donc là, on voit le plan de cette exposition. Bien sûr, ce n'est pas un plan figé, hein. J'ai pensé cette exposition comme étant un schéma mental de cette révolution, c'est-à-dire qu'en lisant ces différents moments, chaque moment est représenté par un cube ou à une forme étalée, c'est en couleur verte. Donc, dans cette révolution, il y a des dénouements, il y a des impasses, il y a des traversées de problèmes, il y a des événements qui en engendrent un autre, d'autres. Il y a des événements majeurs, il y a des événements de transition. Tous ces termes-là impliquent en moi un schéma mental, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une cité que le visiteur va pouvoir découvrir. C'est une cité qui se manifeste en différents moments, monuments. Et c'est aussi une manière de reconstituer des faits urbains
une expérience urbaine de cette révolution qui n'est autre qu'une révolution qui est partie des rues de la République tunisienne. Donc il y a il va y avoir des liens de tissu qui vont se créer. On va descendre par ces escaliers à droite. À droite de la salle. Et c'est une sorte de mise en abîme. Le visiteur va s'enfoncer dans cette période de l'histoire. Et par là, il va voir. Je vous propose une visite 3D. Donc le visiteur, il va descendre par ces escaliers, il va être plongé dans cette histoire par un premier moment, qui est celui de, on va introduire les faits. Donc il va avoir le premier moment, il va avoir un flashback sur ce qui a été avant la Révolution. Ça, c'est une retranscription de ce récit-là qui s'articule en 13 moments. Donc, il y a cette évolution-là, c'est une timeline. Donc, on voit là les différents moments qui s'articulent. Après, quand on déambulera dans l'espace de l'exposition, ces moments-là deviennent des monuments, ça devient des objets posés sur lesquels on va exposer chaque moment ce qui se passe autour de lui comme espace médiatique, comme publication de presse, comme éco-journalistique, comme intervention de blogueurs ou autres. Donc ce n'est que la première esquisse bien sûr de cette exposition. Mais voilà, c'est un bref aperçu de ce que ça peut être cette exposition. Donc on déambule dans les dalles de cette révolution. Après, en remontant, on aura en quelque sorte le dénouement. On va avoir un aspect de. On va caresser du regard cette révolution. Et ça va être par le biais d'un pupitre. Je vais vous expliquer tout à l'heure son utilité. Donc on remarque cette évolution temporelle dans l'espace. Et il y a aussi une évolution spatiale. Cette évolution spatiale part d'une lecture, elle est comique cette évolution spatiale, elle part d'une lecture générale, c'est une mise en situation de chaque moment, c'est-à-dire sa mise en situation à l'échelle territoriale. Donc c'est une évolution spatiale par rapport à la lecture de ce récit-là, ce récit historique. Donc c'est une première mise en situation, disons qu'on indexe les moments sur l'échelle temps. Après. Monsieur l'informaticien, il y a un problème technique. Voilà, c'est bon. Donc, cette évolution spatiale, elle part d'une échelle régionale, ou peut-être il y a certains événements qui vont même aussi d'une échelle internationale, vers une échelle plus locale, c'est-à-dire qu'on va faire un focus sur ces événements-là. Il y a certains événements qui se déroulent à une échelle d'une rue, ou il y a d'autres qui se déroulent à une échelle d'une ville. Donc c'est un focus spatial sur ces événements-là. Et ça va être dans le corps de ces monuments-là. Après, il y a une échelle qui va se contracter jusqu'à l'échelle humaine, d'où cette récolte de témoignages. Donc c'est un moyen d'évoluer, de retranscrire aussi ce récit historique. Donc, ce dispositif scénographique, qui est décortiqué en plusieurs éléments, et cette timeline muséale, et j'ai pris quelques exemples de comment
Ce qu'on peut faire de par le monde, c'est un exemple parmi d'autres de comment on peut rendre ludique une échelle du temps. Donc on peut greffer à cette échelle-là des textes, des vidéos, des témoignages en bande vocale, c'est-à-dire sur écouteurs, ou d'autres articles de presse, ou d'autres des manifestations culturelles propres à chaque monument. C'est-à-dire que c'est là où on va ajouter cette couche-là ludique, on va colmater toutes ces données archivées qui vont servir ce récit-là et servir cette scénographie. Alors, ça c'est la première échelle. La deuxième échelle, c'est ces monuments, ces moments que je nomme monuments, ces moments-là qu'on va rendre physiques dans notre dispositif scénographique. On a pris comme exemple le moment numéro 3, par exemple. Alors, autour de ce moment-là, on va traiter graphiquement. C'est un exemple qu'on voit à droite, là, de l'écran. Comment on peut rendre ça graphiquement plus ludique? Comment on peut créer des liens graphiquement autour de toutes ces données collectées historiques? Lors de nos premières réunions, j'ai eu les archivistes devant moi, j'ai eu les historiens aussi, et il y a eu un débat, et j'ai voulu instaurer un exercice au sein de ce séminaire-là, qui est de prendre une seule ligne du temps et de voir ce qu'on a comme données à cette ligne-là. Cette seule ligne de temps se constitue en ce choix du moment numéro 3, et on a fait l'exercice de voir ce qu'on avait en nos dispositions comme documents, comme journaux, des journaux, comme vidéos, comme tous les supports possibles imaginables à nos dispositions, et les étaler et essayer d'écrire un récit grâce à ces éléments-là. Donc autour de ces monuments-là, il va orbiter, on va projeter toutes ces données-là. Donc les médias, journaux, dépêches, blogs, manifestations de caricatures ou manifestations de revendications ou autres. Dans le cadre, au sein de ce box-là, c'est-à-dire que pour des fins scéniques, on peut s'immerger dans ce box-là, et là on va parler d'une immersion dans un événement. Cette immersion-là, je souhaiterais bien qu'elle donne une vision 360 degrés sur cet événement-là. C'est-à-dire que le visiteur, on va lui faire vivre cette expérience. Par exemple, on a pris le monument numéro, le moment 3. Il y a eu énormément de vidéos qui ont été prises par des citoyens. Ce sont des vidéos qui ont été prises dans différents moments et sous différents angle. Il y a moyen de faire immerger un visiteur dans ce moment-là, rien qu'en collectant ces vidéos et rien qu'en les étalant de cette sorte. Donc c'est une projection panoramique de ces vidéos-là. Je passe. Il y a aussi un autre moyen. Il y a une question qui se pose. C'est la question de cette gravité de ces vidéos-là. Certaines vidéos sont très graves. Elles ne sont peut-être pas intelligibles pour un public jeune. Il y a des vidéos aussi qui sont un peu horribles, il faut le dire. Il y a aussi cette exposition-là, essaiera de transmettre des sensations, pas forcément des faits réels ou des faits palpables sur le terrain. Ça peut être aussi des témoignages. Donc cette exposition-là peut être aussi le moyen plastique de faire valoir des témoignages ou de raconter une histoire que seulement par des témoignages. Donc là, j'expose un petit exemple de comment on peut faire immerger le visiteur dans une sensation ou de raconter une histoire autrement que par des vidéos ou par des journaux ou des titres de journaux. Hein. Donc il y a moyen de retransmettre cette révolution par des moyens plastiques, scénographiques, en projection ou en collecte de témoignages vidéo. Donc là, c'est une autre manière de raconter une scène par les paroles, par exemple, en projetant le visiteur dans un dispositif scénographique. Donc c'est un moyen comme un autre,
c'est moyen, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre ça à la lettre, mais c'est une des manières avec lesquelles on peut retransmettre cette, l'intensité de ça. D'autres moyens scénographiques, hein, on peut retransmettre des moments sur d'autres formats de projection ou d'autres formats de visualisation, de vidéos, c'est-à-dire que des vidéos graves, on peut les rendre un peu plus ludiques, un peu plus abordables pour un public jeune, tout en cherchant les moyens scéniques plus ludiques. My name is Hugh Herr, 49 years old. Ce human wall est une sorte de mur de témoignage que je souhaiterais bien que ça va être, j'espère, la production interne de cette expo, une sorte de collecte de témoignages des différents acteurs de cette révolution. Ça va être des témoignages neutres avec un sous-titrage. Après, en étant sur ce pupitre, quand on sortira de l'expo, cette expo étant une expo temporaire, et il est nécessaire de la rendre pérenne, et une des manières pour exposer ça est d'en faire une application qui sera visitable par cette interface interactive qui va surplomber tout l'espace de l'exposition, que j'ai appelée la table d'orientation. C'est une table d'orientation dans l'espace et le temps de cette révolution, et qui va donner moyen de explorer encore plus ces moments-là et de voir encore plus les documents qui n'ont pas pu être peut-être exposés vu l'importance et le nombre conséquent de ces archives-là. Donc cette application-là est aussi ce site-là est aussi un volet parmi les autres volets dont consiste ce projet. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde, je suis donc Salma Zridi, je suis monteuse vidéo de formation cinéma et ma fonction dans ce projet est de réaliser des montages vidéo qui seront le produit de l'exposition et qui y seront intégrés selon la scénographie qui vous a été présentée. Ces différents montages sont réalisés pour chaque moment à partir des vidéos déjà collectées ou à venir et archivées dans le fonds numérique des Archives nationales. Ces montages seront réalisés afin de produire une narration immersive des différents moments de la Révolution, tels que répartis par la structure de l'exposition. Ils sont réalisés selon un processus que je vais vous présenter ici. Avant la production définitive du montage, les vidéos passent par un traitement en deux axes majeurs. Premièrement, un axe analytique et en second lieu, un axe esthétique. Le premier axe concerne le fond des vidéos. Il consiste en une analyse détaillée du contenu des vidéos pour en tirer le maximum d'informations. Le second axe concerne la forme. Il s'agit du traitement esthétique et technique dans le cadre de la scénographie établie. L'analyse des vidéos sert à récolter des éléments pour aboutir à la reconstruction d'un récit à partir des vidéos disponibles. Elle se fait en coordination avec les documentalistes, les archivistes et les historiens de l'équipe. L'idée principale est de faire vivre aux visiteurs chaque moment dans un enchaînement chronologique par jour, avec des localisations précises du déroulement des actions filmées et dans le cadre d'un contexte général défini. Ces éléments d'information contribuent à restituer le vécu de ces moments. Ils seront appuyés plus tard par des techniques et dispositifs immersifs dans lesquels l'image et le son ont un rôle bien sûr primordial. Les choix techniques et esthétiques pour réaliser cette immersion interviendront donc en une seconde étape, en cohérence avec l'ensemble du projet et en coordination avec le scénographe, tout en prenant en considération les autres éléments collectés par les documentalistes, c'est-à-dire les textes, les enregistrements audio, les photos, les dessins et même éventuellement des objets en relation avec les événements. Nous en sommes aujourd'hui à la première étape, c'est-à-dire l'analyse des vidéos ou un traitement informatif. Je vais expliquer comment je procède pour faire cette analyse
et en donnant des exemples appliqués au moment que nous appelons 3, qui correspond aux dates 17, 18 et 19 décembre 2010, localisées dans la ville de Sidi Bouzid. Le traitement que je vais décrire constitue une méthode de travail qui va s'appliquer moment par moment à tout le fond des vidéos destinées pour cette exposition. Le travail commence d'abord avec l'archiviste Delia Lazuelli à partir de la base de données qu'elle a mis en place pour les vidéos en compagnie de Sihat et Hatta. Cela commence d'abord par une collecte des vidéos authentifiées et dont la datation est certaine. Les autres, comme elle vous a expliqué tout à l'heure, restent en suspens jusqu'à leur authentification et datation. Ainsi, je collecte aussi les informations issues des descriptions faites par les archivistes et l'indexation de la base de données des archives nationales, ainsi que les informations et remarques auprès de Delila, qui a déjà plusieurs fois visionné ces vidéos. Remarque technique, les vidéos sont stockées en deux formats. Le format dit original, celui dans lequel elles ont été collectées, qui est différent d'une vidéo à l'autre, et le format converti par les archivistes pour les besoins de la base de données. Je dispose des deux formats et je privilégie l'utilisation des formats originaux. La conversion finale se fera ultérieurement selon les besoins de l'exposition pour chaque vidéo. Une fois les informations générales et les vidéos collectées, il s'agit de les visionner plusieurs fois et d'en faire une lecture à plusieurs couches, donnant lieu à une description détaillée du contenu des images en termes d'action, de leur situation dans l'espace et dans le temps, et d'une identification des personnes filmées autant que possible, lorsqu'elles sont relativement connues, ainsi qu'une lecture de leur rôle et de l'impact de leur présence. Nous cherchons également à définir le contexte des images visionnées, c'est-à-dire de trouver et noter les informations sur ce qui s'est passé juste avant et juste après la prise de vue, et également ce qui se passe hors cadre. Ces éléments sont notés dans un tableau, vidéo par vidéo, et plus précisément, plan par plan. Ce tableau sert ainsi comme une ressource supplémentaire et facilitera par la suite la scénarisation des vidéos pour l'exposition. Il s'agit donc dans un premier temps d'appréhender les vidéos comme source d'information, de noter et classer ces informations, les informations extraites, et ensuite de les confronter aux résultats des enquêtes et, aux autres formes de sources des différents documentalistes lors de sessions de travail avec chacun d'entre eux. Elles sont également croisées avec la chronologie des événements qui nous servent de trame pour le moment. Ces confrontations intersupports permettent de vérifier, compléter et unifier le récit. Elles permettent aussi d'identifier les moments forts ou déterminants, ainsi que les lacunes ou les contradictions, afin de les résoudre. Maintenant, je vais faire un petit focus sur le moment 3, les événements du 17 au 19 décembre à Sidi Bouzid, à partir toujours des vidéos dont nous disposons. Alors, ce que racontent ces vidéos? Certaines de ces vidéos sont déjà des montages. J'ai d'abord commencé à en isoler les différents plans, parce qu'ils ne sont pas forcément montés dans l'ordre chronologique. Chaque plan est ensuite étudié indépendamment. Parfois, même plan se répète dans plusieurs montages, on n'en garde qu'un seul, bien sûr. Certaines vidéos n'ont pas de son direct, mais une musique ajoutée. Celles qui comportent un son réel sont privilégiées pour l'utilisation dans l'exposition. Je précise ici que les montages collectés resteront conservés tels quels dans la base de données accessible de l'exposition, ainsi qu'aux archives nationales, bien sûr, avec mention de leurs auteurs, éventuellement leurs monteurs, lorsqu'ils sont identifiés par respect pour leur rôle historique qu'a représenté la prise de vue, le montage et la diffusion de ces vidéos lors de la Révolution. Les modifications apportées à ces vidéos servent uniquement les règles de narration et d'immersion nécessaires à l'exposition. Tout d'abord, des mesures éthiques sont effectuées. Elles consistent en la suppression des visages des enfants, en les floutant ou en coupant, si cela ne nuit pas à la scène. De même pour les visages identifiables de personnes en situation d'illégalité. Suppression également des images trop choquantes, l'exposition étant ouverte au grand public, y compris les enfants. Par exemple, la vidéo de Mohamed Bouazizi, paix à son âme,
lorsqu'il vient d'être reçu à l'hôpital juste après son immolation. La scène a été filmée. Elle présente l'action des médecins de le débarrasser de ses vêtements à l'aide de ciseaux. Ce moment est important dans la narration, d'autant plus que ce sont malheureusement les seules images que nous avons de Mohamed Bouazizi. La vidéo comporte des informations sur son état de santé très critique, l'urgence de la situation et le stress du personnel médical face à la situation, mais également face à la personne qui filme. J'ai supprimé les plans rapprochés du visage et de la main, parce que ce sont des images très choquantes. Cette vidéo, je note, par exemple, que cette vidéo comportait déjà un filtre fait par la personne qui a filmé. Lorsque les médecins ont fini de déshabiller Mohamed Bouazizi, le filmeur a appliqué un filtre négatif pour estomper la nudité. Ce filtre, à mon sens, demeure faible et nous pouvons deviner des formes. J'ai donc supprimé également les images où ces formes sont explicites. Ensuite, j'ai remonté les images restantes en gardant les mouvements et les voix de façon à rendre compte de l'atmosphère et des informations importantes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est la scène juste avant. Voilà. Excusez-moi. Ça, c'est avant la coupe. Excusez-moi. Bon, comme ça, vous pourrez voir ce que j'ai supprimé. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu entendre assez bien, voilà. Ça donne ça. Elle n'était pas beaucoup plus longue, hein. Je vais d'ailleurs faire une remarque générale. Quand on coupe plan par plan, la plupart ne durent que quelques secondes. Bien sûr, je parle de ce que nous avons jusqu'à maintenant. Donc là, en enlevant les images trop choquantes, il reste ça. Je pense que ça restitue quand même une atmosphère et que beaucoup d'informations passent aussi par la voix. Par exemple, quand ils disent « faut-il l'oxygène » et voilà, ça nous informe sur son état de santé à ce moment-là. Alors, après ces précautions éthiques, je procède à un repérage dans l'espace et dans le temps des différentes actions. Cette localisation complète ou affine le travail déjà fait par les archivistes. L'endroit précis de chaque plan est localisé sur une carte à l'aide des indices contenus dans l'image, comme les bâtiments ou les arbres, etc. L'emplacement de la caméra a pu être ainsi déduit et désigné, par exemple comme ceci pour chaque plan. L'emplacement de la caméra, voilà. Ici, c'est la rue principale, l'avenue où s'est passé principalement sont passés les événements du 17, ainsi que le 18 en grande partie, de décembre à Sidi Bouzid. À gauche, là, vous voyez là où il est. Là. Et donc, chaque plan se passe dans un point particulier. Et donc, j'ai noté à chaque fois où était placée la caméra par un point rouge. Ce sont des informations que je collecte donc. L'heure de l'action a aussi été définie à l'aide d'une application qui s'appelle Photographer Ephemerite, qui permet, à partir d'une date et d'un emplacement donné, de déduire à partir des ombres l'heure de la journée, pardon. C'est ainsi qu'à partir des ombres repérées dans les vidéos, j'obtiens l'heure exacte de la prise de vue. Donc, ces informations d'emplacement et de temps sont notées et sont reportées directement sur les vidéos sous forme de légende, ce qui me permet d'effectuer un premier montage des plans légendés dans un ordre chronologique.
Donc ce sont assez un montage des vidéos brutes, uniquement légendées. Je vais vous montrer un exemple encore pour le 18 décembre. Alors, je vais passer assez rapidement. Donc vous voyez là par exemple, nous sommes là devant la Wilaya. Et il est entre 9h et 10h. Même si l'application donne une heure précise, j'ai gardé une fourchette d'une heure quand même. Donc, nous sommes là. Maintenant, juste après, c'est la manifestation. L'image dont nous disposons, la manifestation est déjà arrivée assez loin du point de départ. Comme, je ne sais pas si vous pouvez voir assez clairement le petit plan en bas, le point rouge. Tout à fait à droite. L'heure a changé aussi, nous sommes une heure plus tard. Ensuite, une heure plus tard, mais toujours selon les images dont nous disposons bien sûr, hein. Une heure plus tard, début des affrontements, donc qui se passe. Encore une fois à côté de la Wilaya, donc le point rouge, nous sommes entre midi et 13h. Nous avons différents plans qui illustrent cette heure-là, où la caméra n'est pas la même, et donc à chaque fois son emplacement est noté. Voilà, un peu plus tard, nous sommes là. Là, nous sommes re en arrière, etc. Donc, voilà. Encore un autre emplacement, une heure plus tard. L'heure est précisée avec donc le logiciel, comme vous voyez, là, le repérage de cette ombre-là, par exemple, peut vous aider. Voilà. Et donc. Ces informations sont notées. Alors, je veux vous dire quand même une petite remarque que ces montages-là que je vous montre sont indépendants de la forme finale que prendra la présentation à l'exposition. Cela constitue surtout une base de données audiovisuelles légendées et organisées chronologiquement qui nous servira par la suite. Car nous comptons garder l'idée de géolocalisation pour laquelle le graphiste de l'exposition Skandelkemel pourra réaliser des graphiques mieux élaborés que celui que j'ai fait. Enfin, lorsque deux vidéos illustrent une même action filmée de deux points de vue différents, ça existe aussi, ils sont montés en parallèle, c'est-à-dire un dernier exemple. Nous avons par exemple pour le rassemblement du 17, le premier rassemblement à Sidi Bouzid, juste après l'immolation devant la Wilaya. Il y avait plusieurs caméras en fait. Nous avons deux points de vue. Et donc, voilà, pour mettre ça en valeur, ils sont montés ensemble. Ça, c'est le même moment. Je vais mettre lecture pour que vous puissiez voir. Et donc, un moment qui est long, celui-là, et nous avons quelques secondes de quelqu'un d'autre qui a filmé à partir d'un autre point de vue. Voilà. Donc, je les conserve comme ceci, pour le moment. Voilà. Donc, outre ces informations de localisation et de chronologie, l'analyse de contenu des vidéos permet de relier les temps forts de ce récit de la Révolution, des moments déterminants illustrés par l'image et ou le son qui seront à mettre en valeur lors de l'exposition. Il y a un repérage des temps forts. Je citerai par exemple, pour le rassemblement du 17 et 18 décembre matin, notamment donc avant l'arrivée des renforts et des affrontements, avec la police, l'image du charnier de Boisiezi laissé au milieu de la rue avec les fruits qui en sont tombés et qui l'entourent. Celle-ci, c'est une image considérée comme un temps fort en fait, vous allez voir, voilà,
donc qui que je propose ou je proposerai de mettre en valeur lors de l'exposition, ou bien par exemple la présence de la mère lors de ce premier rassemblement, la mère qui harangue la foule, la présence aussi de certaines figures syndicalistes ou de l'opposition à ce premier rassemblement, l'hymne national repris comme, déjà comme chant de protestation, un slogan qui est accompagné par la suite de toute la révolution et même au-delà qu'on peut entendre aujourd'hui, c'est-à-dire Tajrib Estahkak et Aïssabat Soler, qu'on a ici enregistré à la manifestation du 18 décembre au matin, etc. Donc ces moments forts-là sont notés et leur timing relevé pour servir à la mise en scène plus tard. Voilà. Je voudrais faire une insister sur le fait que ces vidéos sont vraiment une matière extraordinaire, dans le sens que même quand elles sont très très courtes, juste de quelques secondes, elles présentent une densité, une intensité, une richesse comme d'informations et d'émotions qui est incroyable. Et là, par exemple, nous avons pour le 17 décembre un ensemble, un total de 7 minutes, une fois toutes les opérations dont je vous ai parlé sont faites. Pour le 18, nous avons 9 minutes 30, mais nous pouvons déjà en déduire une quantité énorme d'informations. Cette lecture analytique des vidéos et les informations récoltées permettent en même temps d'en remarquer les lacunes. Bien évidemment, tout n'a pas été filmé et il y a des trous dans la narration visuelle. Mais les vidéos suggèrent l'existence d'autres vidéos, du même moment ou d'un moment proche. Par exemple, quand nous voyons à l'image d'autres personnes en train de filmer la même scène. Également, pareil, concernant les vidéos montées, il y a des plans très très courts qui ont peut-être été coupés, qui sont donc peut-être au départ plus longs. Il est souhaitable donc de combler ces manques de matière audiovisuelle. Ces lacunes empêchent de restituer des enchaînements de l'action, comme par exemple le passage de la manifestation à la confrontation. Le manque d'images peut rendre l'enchaînement des actions incertain, voire faussé, comme par exemple les jets de pierre et les lacrymogènes. Lequel est la cause et lequel est la conséquence? Cela peut donc également fausser la narration. Bien sûr, il est possible de trouver ces informations par d'autres biais, des témoignages, des textes, etc. Et nous y travaillons en croisant les récits et les sources. Mais dans la mise en scène prévue, il est préférable d'avoir un maximum d'éléments audiovisuels pour leur caractère vivant et certain, et surtout pour compléter les moments filmés déjà existants. Ces lacunes incitent à relancer l'enquête et à collecter davantage de vidéos. Nous espérons les combler par un appel à dons d'archives vidéo pour la peau, période couverte par l'exposition, c'est-à-dire du 17 décembre au 14 janvier. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à dons d'archives vidéo et je compte sur vous pour le relayer à vos connaissances. Merci. Je vais faire une conclusion petite. Donc voilà, je ne parlerai pas pour le moment encore du traitement esthétique qui sera fait après, adapté au support, etc. Je veux aussi dire que nous n'allons pas jeter des vidéos pour raison de faible qualité. Tout est à utiliser et nous estimons que la qualité même, si elle est faible, raconte quelque chose et a une signification. Et il est important qu'elle soit présente pour restituer l'atmosphère. Et aussi, techniquement, la qualité laissée sur les supports qui vont s'adapter à la qualité des vidéos et non l'inverse. C'est-à-dire quand une vidéo est impossible à agrandir ou devient illisible si on l'agrandit, eh bien, elle sera projetée sur un support adapté. Voilà. Ça, c'est une petite remarque technique. Donc, en conclusion, et malgré les lacunes citées, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de ces traces collectées
et la diversité des points de vue sur ces moments de notre histoire prouve encore une fois que ce récit est collectif et qu'il est en même temps constitué de plusieurs fils. C'est-à-dire que chacun a pu se l'approprier et aussi l'interpréter à partir de son point de vue particulier. Cette multitude de traces et de trames constitue un récit à plusieurs voix qui est le cœur de cette exposition. Restituer ces trames et les faire revivre virtuellement est susceptible d'intéresser les visiteurs et de les interpeller de nouveau sur ces moments marquants dans notre mémoire collective afin qu'ils invoquent et ressuscitent leur propre récit. Et merci beaucoup. C'est la période où la presse officielle, Ben Ali était encore là. Donc tant que Ben Ali était là, il n'y avait aucune couverture médiatique qui recouvre la réalité des faits. Vous comprenez ? Et c'est la raison pour laquelle on a été obligé de collecter ces vidéos qui sont un travail des amateurs ou de gens engagés, les blogueurs, les cyberactivistes, etc. Mais après le 14, la couverture médiatique était extrêmement importante. Donc il s'agissait de combien. On n'est pas en train de travailler sur une idée de réconciliation nationale ou sur une reconnaissance quelconque. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un travail scientifique qui consiste à collecter des informations nécessaires à la recherche. La recherche historique ou sociologique ou juridique, parce qu'il y a énormément de questions qui se posent, il y a même des questions juridiques. Des questions juridiques, maintenant cette circulation de l'information par Facebook s'impose un questionnement extraordinaire, éthique, s'impose une relation sur le temps, sur la rapidité. Donc toutes ces questions-là ont été introduites par ce travail de collecte. Mais nous, on n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est institution du genre vérité. On n'est pas là pour trouver la vérité. On est en train de montrer, et c'est aux historiens de nous montrer la vérité. Encore que. Oui, enfin, de faire un travail qui approcherait autant que possible d'une vérité. Ceci dit, il y a toujours une multiplicité de lectures. La révolution de 1789. Elle a maintenant je ne sais combien de siècles, on continue à s'interroger, on continue à interpréter, et c'est jamais fini. Et c'est ce que nous pouvons faire. Voilà. باش نحكي على حاجات عشت معنا كي نبدا سور تيران ومزروبه وكل شيء، جو بريفير معناها اني نحط الحاجات ديريكتومون على تويتر باش تتعدى، وبرشا ناس خدمت هكاك، دونك فكروا في تويتر كان هكا. وخذيناه بعين الاعتبار، لكن حجم العمل والوقت المخصص وكما نقولوا الافكتيف زاد اضطرنا ان كما نقولوا نبجلوا فيسبوك ولي بلوك. علاش؟ حسب يعني اختيار شخصي، كونه التويتر معروف اكثر او شبكه بلغه اخرى خليجيه، يعني التعامل مع تويتر في الشرق اكثر من فيسبوك. بالنسبه لنا احنا فيسبوك اكثر من هذا اللي لاحظته انا، لكن بالطبيعه المعلومات اللي موجوده على تويتر مهمه برشا، وان شاء الله نلقاو معناها القدره باش نجمعوها. بارك الله فيك. ثورة كنت تحرير جريده الجديد، نحب نكتش الكلمات باش نعبر شكري وتأثري العملية هذه اللي وقعت اللي قاعدين تقوم بها، خصوصا في الوقت هذا اللي أنا ما بركة فما تصاور فما حاجات باش نحطوهم قريب، الناس باش تقول لها ما وقعش شيء فيكم كل تحت فما حاجات، أنا فما محاولة فسخ الفتنة هذه تشويهها، وبعد يقولوا بدا التشويه تو فسخ كانوا حتى النص يقول كلمة ثورة شنو أنا فريمون تيمونياج هكا كونكري فيفون بتصاور بالزيون على الاقل ما ينجموش يقولوا لنا ما صار شيء اللي هو قاعدين نمشي فيه توا بشويه بشويه، ولذا معناها فريمون شكر وانا واحد الناس اللي من موقعي هذاك وقتها عشت معناها يوم بيوم ساعات لحظه بلحظه معناها
هكا نشعر الوضع هذه من فرستراسيون كاش واحد ما عادش تقرا معناها ترجع ترجع الامل بالعمل هذا معناها هو يعطيك الصحه. كيلكو رماك معناها بعض ملاحظات دتاي ولا تقنيه ولا منهجيه فيهم. انا جيت باش نقول فكره الابال هذه معناها فكره خارق العاده ويجب يكون بيبليك على خاطر هذا معناها نقطة من البحر الناس يصوروا الواحد شيء فما اللي يخاف وفما اللي ما يجيش بالهم اللي هو هذيك قداش تصلح إلى آخره. دونك لابيل بيبليك حاجة حتى في وسائل الإعلام الناس عندهم حاجات دي زارشيف دي دوكيمونت وحاجات سي تري امبورتون معناها بور اونريشير يعني. حب زاد ملاحظة كيف كان شخصية مش شخصية أنا عشت ولا بدماغ انت عطيته مثال برك هذو انا نحب نلزم انتباهكم اللي فما شخص اللي هو قلت شوز فما كذا ما صحافه ولا لبسه ولا مظاهرات ولا اخره فما شخص كانوا يجمع هذا كل في المظاهرات تلقاه كصحافي تلقاه كبلوجر تلقاه وهو سفيان شبرابي اللي كان وقتها صحافي في الطريق الجديد ومعناها عاش اللي عندهم دارهم والى اخره لكن نسيت مين شو اسمه قلت تلقاه في المظاهرة تلقاه يصور تلقاه يكتب تلقاه يتعارك هو البوليسية ونطق مثال نهار 17 ديسمبر في العشية جاني سفيان شبراب لقاه يحب شو سيدي بوزيد قلت له سفيان سيدي بوزيد بتعرف شو اللي فما تو ولا قال لي يزني نمشي هو كان عنده شوية مغامرة ولا نعرف تعرفوا واش تبغى معناها اللي فونس مشى عطيناه المطلوب مشى يقول له دابا راه حتى المواصلات صعيبة يا أخي. نهار بنفس انتباه أول تصويرة خرجت في العالم صورها سفيان شبراكي خرجت في فريق جديد تاع سيدي بوزيد صورها سيدي بوزيد وقعد هو جمعة وقت اللي رجع جبلنا جاب في يده وخرجت أول تصويرة هذه خذتها في ديجونس دو بريس في العالم دارت في التلفزيون في إلى آخره تصويرة سفيان شرابي خرجت في الطريق الجديد عدد واحد جانفي واحد جانفي تصويرة هذيك دونك هذا التوثيق اللي عنده أهمية وأون بلوس عنده بلوك وعنده بعض الحاجات منهجيا فما كي جبدت أنا طريق جديد مقبلك الصديقة اللي خدمت على الكتاب على المكتوب على الصحافة وكذا وقلت ثلاثة أيام لبنانية تخدمت على ثلاثة أيام لبنانية معنا 17 18 19 زاد هذه فما في مستراسيون صغيرة حتى منهجية تو هي ثم قلت فما صحافة يومية صحافة أسبوعية صحافة نصف شهرية وصحافة شهرية كيفاش صحافة شهرية ونصف شهرية صار باش تلقى فيها حاجة ماهوش صحيح منهجيا حسب رأيي أنا ياخذ ثلاثة أيام بني يلزم جرائد الأعداد الأول اللي بعد الأعداد مش جريدة تخرج برا في الشهر مش تخرج في جوفيه وفبراير ما تنجمش تقول ما فما تكلموا على حد شيء صحافة رسمية ما تكلموا على حد شيء راح أعطيك مثال طريق جديد طريق جديد تخرج نهار السبت دونك عندك أعداد نهار 20 وأعداد نهار 13 تنجم تقول طريق جديد ما تحدثش يعني كان تاخذ ثلاثة أيام تحدثش على الموضوع الوقت اللي يكون من نهار 20 لل 14 جون في اليمين كله ما صور من اخي دونك معناها الفو افيني روجيز معناها ابار اليومين الاخرين اول عدد بعد الثورة وهكا في بهذا القدر ونعطيكم الصحة مرة أخرى. الثورة الديمقراطية من برا تمشي السؤال الأول اتصال ارتباط مع الهجرة باش تاخذوا حاجات خاصة اللي وقت اللي صارت سانسور هذيك في الأيامات الثورة برشا تعداو من الخارج باش يوصلوا لتونس وعداو دونك ثم اللي خلاو عندهم وثائق هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ثم حاجة صارت ما نسيوهاش في التاريخ ولا حاجتين. حاجة الأولى هي مي 68 في فرنسا وحبوا يعملوا وثائق وحبوا يعملوا توا بعد 50 سنة شوفوا التجربة هذيك فين وصلت شوني قعد منها خاطر كان هكا انطلاق شاركنا وحضرنا وشفنا يعني الجهد هذايا نشكر الفريق نتاعو خلق العادة يعني عمل جبار قاموا به مازلتوا تقوموا به
ولكن نشوفوا في المستقبل 50 سنة أخرين 100 سنة أخرين قد كيف نعملوا الأجيال الملاحة كيفاش كل لغتها خاطر 168 الشبيبة نتعطوا يعني مش فرد لغة مش فرد تقنية مش فرد قيم ولا فرد واحد به تصورات وضرب خلص والتجربة الثانية هي نتاع نظام تحرير في 82 كان عندهم مركز أبحاث فلسطينية فيها الوثائق اللي ثم ما تماش في العالم العربي كل ولا في العالم الثالث طليعة علاش قد تم معارضين من العالم كل مع المقاومة كما وزارة الثقافة هذه كانت يعني كان الياس خوري كان اسمه محمود درويش الله يرحمه هما اللي يعني سيروا فيه دخلوا جيوش شارون حقوا كل شيء وهزوا كل شيء ما بقى شيء والمناضلين جابوا ما عندهم دار خلاو شيء نسخ ثم اللي خلاو شوية أما برشا أكثر من الوثائق مشات هذاك علاش واحد السؤال جوهري اللي يطرحه وقت يتمركز كل شيء ثم عدالة الثورة اليوم وغدوة يمكن أكثر نجموا نعاونوهم باش يستولوا على كل شيء. والسؤال الثالث والأخير سامحوني طول هو كيفاش نشطوا خاطر إذا باش نعملوا متحف بيهم إن شاء الله يصير حتى متحف نهار مع الواحد الاتحاد الشغل كان يعمل يعني عنده فكرة متاع متحف الحركة الوطنية والحركة النقابية هذه تدخل زاد في التراث الواحد متاع تونس اندراء يعني مغير نشاط يومي مغير جامعة شعبية مثلا مغير واحد ما يوليش سامحوني جبانة متاع وثائق كما المتاحف برشا متاحف فارغين جبانة متاع تحف إذا ما تمش نشاط يومي ما تمش عمل يعني ارتباط مع الكاتب ومع السادة ومع الباحثين وكل باش حاجة تدخل في التقاليد اليومية تولي حاجة عادية ما نعودوش التاريخ توا فرنسا مثلا تم نوي دوغو ما يعرفوش لا كومون اللي صارت في فرنسا يخرجوا لمان تن تقام في نوي دوغو هم مهاجرين ولا طليعة ومثقفين وفنانين هذوما مع بعضهم يحكيوا على جوهر المشاكل اليومية متاع الناس يحكيوا على الواقع ويحكيوا على الحقيقة والكل أما صار تقبل ما يعرفوهاش احنا كيفاش نقعدوا نعاونوا في التاريخ كل يوم لو الجديد مسيش قال الاخر من غير ذاكرة ما تمش شمال وشكرا الشكر دونك j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un remake de c'est-à-dire de retracer entre la réalité avec le montage une forme de fiction sur la révolution. Je trouve que c'est un peu dangereux parce que c'est un peu de romantisme quand on. Alors que l'opération archivistique est une opération qui doit être une opération froide. Ce qui fait pour tout ce qui est textuel, personne ne peut intervenir parce que c'est statique, on peut le relire. Tout ce qui est visuel, j'ai très peur. Ça, je ne sais pas pourquoi. Deuxième chose, il y a ces images muettes qu'on est en train d'interpréter, on ne connaît pas leur auteur. Et vous savez, plus que moi, que chaque image est limitée par un temps T, par une vision, l'angle de prise de vue, etc. etc. Donc, il manque aussi, actuellement, je vais au moins une fois par mois à Sidi Bouzid. Je connais très bien Sidi Bouzid parce que tous les gens, on a fait le lycée ensemble. Et je travaille avec une des personnes, je ne sais pas si vous l'avez contactée, une des personnes phares de la Révolution, je fais un travail avec elle, je ne sais pas à quoi aboutir, il y a Faïda. J'aurais voulu qu'elle soit là, si vous m'avez dit, je l'appelle, je la vois au moins une fois par truc, je suis en train d'enregistrer avec elle. Je lui ai ramassé tous les livres et les textes qui parlent d'elle, elle est en train de les relire et elle veut faire un livre. Donc, il y a beaucoup d'acteurs à Sidi Bouzid, je peux vous orienter, qui chaque fois, chaque passage, on me raconte une autre version. J'ai au moins 20 versions
de ce qui s'est passé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et puis, pourquoi cette fixation sur ces déposites? Il y avait 4 foyers en ce moment-là, Ruger, qui a beaucoup, beaucoup fait. Et d'ailleurs, peut-être vous avez contacté ces jeunes qui veulent monter un petit musée. Il y a des jeunes qui ont abusé, ils ont commencé, etc. Et puis Manzegouzeyer et Manzegouzeyer. Et bon, toute la région a bougé ensemble. Pourquoi cette fixation s'est déposée? Ça, c'est un point. Le deuxième point, pourquoi ne pas contacter les gens qui ont été de l'autre côté? C'est-à-dire Katbelan, Jtansir, les gens. Il y a d'autres versions. Je peux vous aiguiller. D'accord. Bon, une dernière information, les cassettes de témoignages de Bouderbella, ils sont toujours chez leur auteur parce qu'il n'a pas été payé. C'est des heures. On ne m'a pas payé, j'ai encore des cassettes. Je vous dis qui c'est. De toute façon, moi je n'étais pas dans le Bahreïn. Moi je n'étais pas dans le Bahreïn. Moi je dis, il y a des serveurs qui ont été payés. Il n'a pas été payé. Histoire qu'ils sont en train de reconnaître, de visiter. Si on les prend dans 3 mois, leur point central, leur point important va être totalement différent. Ils cheminent avec Tahrir. C'est l'impression que j'espère nous avons tous eue. Donc, on ne peut pas, aujourd'hui, où ils font appel à nous pour collaborer au moins avec notre sympathie, avec notre bonne volonté, et pour ceux qui considèrent qu'ils ont des documents, les fosfores, ou le retour, ou l'indrachna, qui collaborent avec eux. Sinon, si c'est arrivé à ce point, lancer un appel à concours complètement construit, comme à un concours de projets complètement construits qui partent de décembre, qui arrivent à aujourd'hui et qui sont complètement construits et qui sont faits par 100 personnes, par une demi-personne. Et après, il y aura un massif fait ou une commission qui va décider lequel est le plus beau. C'est un petit flot, mais c'est un. دونك نخدم خدمة واحدة. اللي قاعد نتابع فيه اليوم عجبني برشا. جي تري كونتون جيت بارازار جي نيتي با مي او كورون. اما اسكو جي فولو تير دابور سي كو جي سوي انكور ا ليكوت دو سكو جابيل ليستوار ناراتيف. مي سيت فوا سي سي اترافيار ليماج. Nous sommes encore, depuis bientôt 70 ans, encore dans l'histoire narrative. C'est bien beau de passer de l'étape de l'histoire narrative à l'histoire analytique. J'essaye de faire des propositions, pas des recommandations. Mais j'insiste sur ce point parce que je sens à ce jour que ce pays n'a pas encore maîtrisé son propre histoire. Je crains aussi pour cette étape très importante de la révolution tunisienne, qu'on reste encore au stade de la narration et qu'on n'essaye pas de quitter cette étape, parce que je vous conseille, par ailleurs, de repenser la chose pour aller vers ce que j'appelle la causalité historique. Et c'est cette causalité historique qui va peut-être un jour nous permettre de comprendre le sens de l'histoire et de dépasser le cap de la narration. C'est vrai qu'actuellement, nous vivons en pleine révolution de l'image. Et quelle image? Cette image, elle peut être faussée. Elle peut nous induire en erreur. Mais cette image doit être conservée dans le sens de l'image, et on doit aussi penser sérieusement
à dépasser le cadre de la narration pour rentrer dans l'analyse de la causalité, j'insiste là-dessus, de la causalité historique qui nous permettra un jour de comprendre bien l'histoire et de se sentir vraiment indépendant au niveau de notre conception historique. Je vous remercie. Retenir pour faire les remarques suivantes. Ce projet qui est très précieux, qui est très cher à nous tous et qui a une charge affective, personnelle, immense, ne doit pas nous faire oublier qu'il profite, qu'il a à son service un travail de professionnel, et c'est encore une chance pour ce projet que deux institutions comme les Archives nationales et la Bibliothèque nationale se mettent ensemble avec un groupe de gens engagés et scientifiques, des chercheurs, des cinéastes, des monteurs, qui se mettent tous et qui mettent la main dans la main pour travailler pour ce projet. Donc, la démarche, c'est une démarche technique, professionnelle, que nous devons tous respecter. Et il faudrait, maintenant, il y a une confusion dans les remarques qui ont été faites, il y a une confusion entre le travail qui est fait sur le fonds d'archives en entier, dont dispose les Archives nationales et la Bibliothèque nationale, qui est un fonds entier, complet et total, et le projet qui ne fait que qui va montrer un aspect de ce travail, un côté de ce travail. C'est le montage d'une exposition qui donne une idée d'un contenu beaucoup plus vaste, beaucoup plus large, et ce travail vise principalement de mettre à la disposition des chercheurs et des scientifiques, un fonds organisé, traité, indexé. Bien sûr, ce sont des notions qui sont un peu loin de l'approche publique dont on fait, que nous faisons de ce fonds actuellement. Merci. Pour pouvoir dire, il faut absolument monter un projet pour essayer de sauvegarder tout ce qui est encore possible à sauvegarder. La première personne qu'on doit contacter, c'est Hedy Gellert, parce qu'une fois ces documents collectés, il va falloir les déposer aux Archives nationales. Et donc, l'aventure a démarré comme ça. Et l'objectif, c'était, rappelle-toi, c'est Hedy Gellert, c'était ça l'objectif au départ. Et petit à petit, l'appétit vient en mangeant. Donc quand je mesure le temps entre le premier contact avec Tilhead et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait comme chose? Et qu'est-ce qu'on a brassé comme idée? Et combien d'idées sont venues? Et à ce propos, je voudrais juste rendre hommage à un des témoins qui était là au mois de mars dernier, c'est Salhi, qui vient de nous quitter. C'était une des personnes ressources que les filles ont contactées, de guerre, de ces déposites, sinon le Sahri va promener un trophée. Oui. Au mois de mars dernier, malheureusement, il vient de nous quitter. C'est vous dire que combien ce travail était très important, parce qu'il y a des témoins qui sont en train de disparaître. Non seulement les documents, mais les témoins aussi sont en train de disparaître. Et donc, vraiment, il est plus qu'impératif de redoubler d'efforts, d'apporter sa contribution pour que ce projet puisse réussir et il ne sera jamais fini, ce projet. Parce que rappelez-vous aussi l'idée qu'on a dit quand on a pensé à faire l'exposition, elle est venue de qui? C'était des témoins de Sidi Bouzid. Ils nous ont dit, maintenant que vous avez les documents, vous allez les garder chez vous? Il va falloir nous les amener à nous. Et c'est comme ça l'idée de l'exposition est venue. Et l'exposition, quoi faire? Comment on va la faire? Et c'est pour vous dire combien ce projet a été monté presque pièce par pièce. Et au début, ces jeunes-là n'étaient pas là, au mois de mars. Vous voyez, la tribu s'est agrandie depuis. Et il y en a encore, à mon avis, jusqu'à la conclusion de notre premier truc. Et une fois l'exposition faite au Mycène et au musée de Bardot,
qui aura démarré, il va falloir penser à les faire transiter dans les régions. Et comment le faire avec les jeunes qui n'ont pas vécu ces mouvements? C'est juste pour vous dire combien je suis ému, moi, personnellement, de ce que nous sommes en train de comme disait Omar, de préparer les documents d'histoire, c'est ça? Pour des chercheurs, pas pour demain, c'est pour 2050 et après. Parce que pour demain, il y a encore des gens qui sont capables de raconter ce qui s'est passé. Mais en 2050, il y a plein de gens qui ne seront plus là. Et donc, s'il y a des gens en 2050 qui voudront réécrire un peu l'histoire de la Tunisie, ils vont se baser sur quoi pour le faire? Il n'y aura personne pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire comme conclusion à cette séance de ce matin. Et je voudrais renouveler l'appel qui a été fait par les jeunes pour que tous ceux qui ont les moyens ou la possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice pour continuer cette collecte et pour peut-être donner aussi des filons pour monter dans la réalité tout ce qui a été fait de manière virtuelle, ce sera le bienvenu. Vous avez, et je finis par juste une anecdote, j'ai été invité au mois de septembre dernier à un colloque organisé par Europe Créative où j'ai présenté ce projet suite à l'invitation de nos amis de Générique. Et j'ai dit comment le projet a été monté, comment moi, société civile, j'ai été voir les archives nationales. Et vous savez quelles questions ils m'ont pu poser? Comment ça se fait que la société civile chez vous travaille avec des instituts, officiels? Je ne m'attendais pas à une telle question, bien entendu. Et puis il y a quelqu'un qui a dit, c'est parce qu'entre temps, il y a eu une révolution en Tunisie. Voilà ce que je voulais dire. Merci, c'est à l'état brut, sans photomontage, sans aucun aspect artistique. Je vous rassure. C'est l'homme. En ce qui concerne la sauvegarde et la pérennisation des archives, c'est un volet que nous maîtrisons aux archives nationales, c'est-à-dire nous essayons de pérenniser les formats et les supports par la migration, le backup, entre autres, et un backup distant qui ne serait pas aux archives nationales mais dans un lieu secret. D'autres réponses, je donne la parole à Salma et aux autres intervenants. Donc, pareil pour répondre à Harvey Kling Gabous, par rapport au montage et à la manipulation des images. Bon, donc déjà, les images brutes, bien sûr, elles sont conservées. La manipulation, entre guillemets, pour l'exposition, c'est pas un montage filmique. Hein. Je ne vais pas faire un film de la Révolution où il y a mon point de vue, etc. Je vais présenter plusieurs images qui sont de différents points de vue. Là, pour le moment, je vais faire ce que j'ai appelé un premier montage qui sert d'une base de données et qui est donc juste de coller dans l'ordre chronologique pour qu'on puisse lire. Je prends les vidéos avec beaucoup de précautions. Je n'ai aucune envie d'intervenir dessus avec mon esthétique personnelle. Je vais faire en sorte de les garder aussi brutes que possible, à part les précautions éthiques dont j'ai parlé, où je suis quand même un peu forcée de couper et recoller. Et sinon, voilà, donc juste je voulais dire qu'il nous dit que nous tous, appréhendons cette matière avec beaucoup de précautions et de respect, et que voilà, nous allons faire en sorte de ne pas la manipuler. Juste préciser que le terme manipulation vient de manipulite et main propre, à la base. C'était ces vidéos de la sorte à émaner d'un besoin scénique en fait. Le fait de vouloir immerger, rendre cette exposition immersive a fait qu'on a dû jongler, j'ai dû jongler avec ces vidéos-là de telle sorte à avoir une vision globale sur un événement bien déterminé. Ces vidéos-là vont être vues par le public par le biais de cette interface-là que je propose. À la fin de l'exposition, qui est ce pupitre tactile,
Ces vidéos-là seront vues dans leur aspect brut, pour ceux qui le souhaitent, mais il faut savoir aussi que c'est une exposition qui est au grand public, va avoir des enfants peut-être, qui vont voir ces vidéos. Je ne sais pas si il est nécessaire de leur montrer l'atrocité atroce de ces vidéos. On peut la retranscrire par des émotions, par des témoignages, par une voix off. Ça ne va pas dénuer ces vidéos de leur exactitude. Il faut rappeler que c'est une exposition grand public. Le fond exact, le fond non manipulé, comme vous venez de dire, reste visitable par les archivistes. Cette exposition est une forme de vulgarisation, une forme de retransmission par des filtres bien déterminés, bien calculés, bien réfléchis, pour qu'elle soit visitable et exposable au grand public. Voilà. Donc, cette manipulation-là a été faite pour des fins aussi scéniques, pas que pour des fins d'archivage. Logique pure et éthique, nous sommes ouverts à tous les points de vue, d'une part, c'est-à-dire des deux côtés de la barrière, mais en dehors de ce projet-ci. C'est-à-dire, si des témoignages il y a, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire vu par les anciens membres du régime ou bien d'autres acteurs, nous sommes ouverts aux archives nationales par le don ou bien par le dépôt d'archives privées filmées par les acteurs sur terre. Merci.